Step on Hair. Comme on dit aux États-Unis. Enregistrement studio. Merde, je me présente, j'aime bien. Je suis mal cadré parce que je me tiens comme un salgo sur mon siège. Et du coup, on me voit décapité, on voit juste ma bouche en haut de l'écran. Ça fait, c'est très bizarre. L'intro en la fait, plus étrange de Twitch. Oui. En fait, ça aurait été facile si on avait juste à répéter. J'ai mis la tête, je disais pas les trucs. Ouais, ouais. Bah, en fait, on jouait à Age of Mythology et on voulait répéter ce que disaient les unités. Et on avait pris les égyptiens. Ah, je vous ai cassé dans une blagounette. Ah oui, bah désolé. Ah, le sage est passé en mode sombre. Vous me la referez une prochaine fouée. Le Discord est en mode sombre chez le sage. Oui, j'aime bien. C'est reposant surtout le soir pour les yeux, je préfère. Hein, c'est quoi ce délire? Pourquoi? Sauf Explorer, t'es pas en mode sombre. Attends, j'hallucine, il me dit que je suis en mode avion, mais il est cinglé mon ordi. L'avion qui vole. L'ordi qui vole. Bah, heureusement que j'ai la connexion par câble, mais normalement. Alors. Bref. On a dit Lego World, je deviens fou là. J'ai dû cliquer là où il fallait pas, c'est pas possible. Bref. Alors, Sandbox Game. Lego. Qui danse le macarena? Oui, je sais pas qui c'est qui va héberger. Bonne question. This is a good question. Je pense que c'est. Ma manette a fait que de se déconnecter, de se reconnecter là. Elle est pas connectée. Non, il faut un câble. C'est pas le câble qui est pourri qui a pété. La connexion. Non, le câble il est très bien. C'est moi qui ai dû. Alors je peux avoir les deux, je peux avoir le câble et le wifi. Moi je passe en câble. Je parle de J là, de sa manette, le câble de sa manette. Pardon. Bon, je vais prendre ma manette filaire. Alors, pour qualité, moi je vais regarder une direct sur Twitch via la tablette. Allez, skip. Dans un monde Lego, tout est possible. J'ai bien le son dans les haut-parleurs. Non, pas dans les haut-parleurs, pardon. À l'oreille d'une aventure créative. Oui. Ah, c'est peut-être pas la bonne manette. Les mondes infinis vous attendent. Avec les possibles. C'est vrai que c'est pas ma manette habituelle. Je sais plus pourquoi je l'avais changé. Enfin, moi, je suis plus à ça pour. Je suis plus à ça pour. Bienvenue dans Lego. Ah, c'est pas pris de son là-dedans, c'est curieux. Oh, ça saccade. Rien que le menu saccade, c'est pas bon signe. C'est pas bon. Et merdoum, je vais refaire ma manip de ce matin. Au pire, je prends un truc filière. Donc, du coup, c'est toi qui héberges, Edge, ou c'est quelqu'un d'autre? Je vais héberger. Ok, merci, t'es adorable. J'avais fait comme ça ce matin, et pour Minecraft, ça marchait bien de diminuer les priorités. Ne me demandez pas pourquoi. Alors que j'aurais fait l'inverse, mais bon. J'ai écrit un truc vierge énorme. À moins vous voulez un biome spécifique. Non, vas-y, fais un truc complètement vide et on va mettre plein de maisons dessus. Complètement plat. J'en étais à 100. Alors, ok, je cherche une sauvegarde, mais. Attends, comment je fais pour me connecter? Je sais déjà. Alors, je n'ai pas en ligne sur. Ah, si t'es en ligne. Pardon. Ah oui, non, j'allais dire, tu m'étonnes. En fait, faut aller sur mon profil Steam. Et ah oui! Rejoindre la partie. Ou dans les habits avec Shift Tab pour l'overlay. Et dans votre liste d'amis, il y a aussi ça. Rejoindre la partie. Yes. Vous êtes des chefs. Mickey! Il veut pas que je rejoigne la partie, mais c'est un vilain jeu. Oui, c'est bizarre, j'ai cliqué dessus et ça a pas bougé. Là, je suis atterri, peut-être que ça a marché. Ah, d'accord. Pour le temps de chargement. Peut-être. Je commence à douter. Je commence à douter, moi aussi. Oh là là. C'est bizarre. Les joies de l'informatique, je vous l'ai dit, les copains. Wouhou. Je suis mazo, je fais ce métier avec joie. C'est vrai en plus. Oh mon dieu. Alors, rejoins une partie. Directement dans le jeu.
Carte de... Non, rejoins une partie. Et pourquoi je peux pas dire moi que... non plus. Il veut pas. Ah non, scrogneux, hein. Attends, c'est trop bizarre. Ah, il me dit quelque chose, je crois. Ah, connecté, veuillez attendre. T'as réussi, Nayonet? Oui. Non. Je te vois arriver, dit du psycho. Alors, Nayonet, tu te fais peut-être avoir, en fait, par une sous-fenêtre. Généralement, elle est verticale et tu vois tous tes amis connectés. Mais en fait, il faut que tu demandes se connecter au serveur sur la grosse fenêtre principale. Là où elle a l'entête en haut, c'est indiqué cliquer pour revenir sur le jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est la grosse fenêtre où tu vois même tes succès déverrouillés normalement. D'accord, ok. Et ben c'est seulement à partir de là, cette grosse fenêtre là, que tu peux faire clic droit sur l'icône des jets et dire que tu veux te connecter. Voilà, ça marche, serveur. J'ai trouvé, ouais. Ouais. Parce que y a la, c'est la sous-fenêtre. Ok, parce que la c'est des con, amis, c'est bugué. Bah, ils corrigeront ça à la prochaine version de Minecraft, j'allais dire. De Steam. Et on a un softbox total, hein. Oui. Et j'essaye de reprendre mes repères, ce qui va, je ne vous cache pas, m'écraser, je m'écraser la tête sur le, là, est-ce sur que la c'est tête fluide de, c'est chez le psycho. Ah, j'ai raté. Je voulais atterrir sur ta tête, mais ça n'a pas marché. Il est fou, j'ai jamais fou, ça commence. Mon Dieu, j'ai. Il construit déjà. Il construit déjà. Alors, ce que je vais faire, c'est comment on fait par un bazooka. Ça saccade un peu. Merde, c'est dommage. Personnage. Ah, je rajoute un perso. Burp. Oh! Ah tiens, violence. Minecraft, c'est parti! J'ai éjecté le mec! Violence! Les gars, ouais, dégage! Non. Alors, je tiens à faire un petit disclaimer, comme on dit en anglais. Oui. Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous allons faire dans les instants suivants. Dans le sens où nous n'avons pas pris d'alcool ou de drogue. Nous sommes bien le préciser. Tout à fait très net, tout à fait très frais. Nous sommes barges naturellement. Bon. C'est 7. Oh, tu es 7. Vous allez voir. Tu es 7. Voilà. Et je porte des saucettes. Ok, attends, alors comment casser la maison de UJ? Déjà, bien pour foutre le bordel. Alors attends. Pas diriger le... Comment ça? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, je fais rien du tout. T'occupe. Je suis 7, un dieu égyptien. Alors attends. Je vais prendre un. Je pousse un... des briques. Allez hop, on tire. Et vraiment, je vous prie de croire que j'ai le cerveau en ébullition. Parce que j'essaie de mémoriser les combinaisons de touches et c'est pas. Voilà, j'ai cassé ta maison, je suis content. J'ai cassé la porte d'entrée. Et voilà, je te tire un coup de bazooka. Je t'ai tiré dans un trou. Ah, j'ai cassé, je suis désolé. Faut réparer? Oh non, qui casse de la paroi. Ça va revenir. Alors je vais tirer sur DJ Psycho maintenant. Je vais objectif. Tu sais, le jeu c'est construire, maintenant je tue les gens, c'est n'importe quoi. Oh. Mais ça va pas, non? Mais il est fou. Mais il va m'enterrer vivant. Mais c'est mental. Oh, j'avais pas vu. Ah, on peut plus se tuer? Si, on peut se tuer, il me semble. Merci. Oui, si, c'est horrible d'ailleurs. On peut. Attends, je vais essayer de changer de costume entier. Oh, j'aime bien être. Ah non, j'étais défeated. Dans Mortal Kombat, comment il s'appelle? Le seigneur du tonnerre. J'étais puni par Edge. Maître Raiden. Tu as été puni. Il faut réparer la maison. Tu as été puni. Merloum. Ah! Oh! Escalier à la noix, on peut se cogner, c'est nimp. Je mettais une poule là. Tac. Oh, stylé. Alors ça monte de manière un peu abrupte. Mais c'est stylé. Oui, petite parenthèse. Ah, oui, c'est très original. Attends, merde. Oh, j'arrive pas à diriger la caméra, excusez-moi pour l'effet Gerbotron. Le lapinou, je veux le lapinou. Dans une autre vie, on m'appelait Jean-Michel Caméra. Ça vaut pas ce qu'on a fait avec le véhicule caméra dans ce jeu. Ouais, ah, Noël, c'était génial. 1, 2, 3, 4. 1, 2. C'est stylé. C'est n'importe quoi, mais c'est stylé. Oh yeah. Je suis monsieur bonhomme. Je suis monsieur biscuit, je suis content. Oh merde, je me suis défenestré, con. Ça y est, ça commence.
Ah, évasion en façon ninja. Oh, la lune. On peut y aller. Non, j'ai dit, on peut y aller sur la lune. Non, pardon. Ah, t'es Monsieur Biscuit. J'ai la chance d'avoir l'extension, mais tout le monde. C'est Monsieur Biscuit qui détruit tout. Pourquoi il y a un homme poulet dans la baraque? C'est pardon. Pas moi. Un homme poulet. Il y a un homme poulet dans la baraque. Je sais pas, c'est pas moi. J'en sais rien. Je me porte innocent. Ouais. Alors, outils de création. Ah, je suis tombé du toit. Ah, quelle ordure. On peut déjà faire du paysagisme, les garçons. Si j'y arrive. Ah, j'aime. C'est absolument pas mon cas. alors, la taille. Non. Oui. Ah, ma gueule. Un véhicule. Par contre, j'ai pas le son du jeu. Ça commence à m'inquiéter. Moi non plus. Oui, c'est bizarre. Bah, oui. Ah, si, moi je l'ai. Moi j'entends la motorisation du véhicule. Oh merde, pardon. Ah, j'ai baissé le son, c'est pour ça. Pour pas entendre les véhicules. Fond, là, oui. Voilà, je fais n'importe quoi. Je vais réussir à pondre quelque chose de correct sous peu. Ne désespérez pas. Outil de découverte. C'est pas ça? Oui, non, oui, je... oui, oui, mais t'es beau, maître Chun-Li de Shklub de peu. Pas le son. Je veux pas faire de construction, non. Est-ce que j'ai les gâchettes? Ah si, les gâchettes servent à quelque chose. J'ai pas encore compris à quoi. Oh mon dieu. Oh, j'ai fait Rizit. Et je peux remettre ce que j'ai effacé. Oh, c'est la technologie du démon. En un clic. Oh, mais je vais réussir, c'est pas possible. Voilà, je vais mettre des maisons, c'est parti. Ah, j'ai les DLC, oh, j'avais déjà dit la dernière fois. Oui, merci à Jack qui salue dans le chat Twitch. Mayoul. Outil de construction. Non, ça c'est à la pièce près. Outil de destruction. Non plus. Il est fou. C'est découverte pour avoir les modèles pré-enregistrés à poser, non? Bah, pourquoi j'arrive pas à maîtriser mon truc? Ah, ça y est, je viens de comprendre. Space Cruiser. Et quand est-ce qu'ils ajoutent des modèles de DLC, là? C'est cool. Enfin, des modèles, il y a un truc où... payant, je m'en fiche. Moi, ouais, il y a déjà pas mal de contenu. Ouais. Il n'y avait pas Lego quand j'étais gosse. Même Lego, ça... Dommage. Après, pardon, il y a peut-être des modules. Oh, l'auberge de pirates. Est-ce que je peux tirer un coup avec ce... Ah oui! Oh là là! C'est monstrueux. Ah, ça commence à venir, mon truc. Ah, il a enlevé son jouet, le poulet, là. Qui c'est qui a enlevé le... Bah, oh, pourquoi ta maison a disparu, Edgé? La première maison que t'as faite, elle a disparu. Bah, regarde. Comment ça, elle a disparu? Bah, là où je suis actuellement, c'est là où il y avait la grande maison, après, la première maison qu'il a posée. Ah, je crois... Attends, mais non, c'est pas normal. Ou alors, t'as annulé ta construction dans l'historique. Bah, non. Bah, je comprends pas. J'ai tiré dessus avec mon vaisseau spatial, il s'est passé 20 secondes et ça a disparu. Ah, tu l'as peut-être désagrégé, en fait. Fais gaffe à tes armes. Je suis sur l'autre maison. Je pense que j'ai cassé le bâtiment gris que t'as fait, là. Ouais, vas-y, essaye. Essaye si tu peux. Oh, c'est une non-maîtrise. Non, bah ça reste toujours là. C'est une prison, tout à fait. It's a prison. Non, c'est, je sais plus, ils appellent ça l'auberge des pirates. Oh là là, il y a plein de trucs, c'est merveilleux. Non, bah, mon homme poulet est toujours là. Mm-hmm. Il est toujours là, mon homme poulet, ou pas? Non, il a disparu lui aussi. Ah, il y en avait déjà eu une bug avec... Oh là là. Ah oui, c'est chiant. On avait déjà eu le bug avec AJ. On causait des trucs partout, on a mis plein de bolames, et hop, ils ont disparu au fur et à mesure. Alors, je vais demander à Google. Ah, c'est chez toi qu'il y a l'alerte. Oh. C'est beau. Il est bu, il est beau, il est bu, qu'il est bu à beau. Oh. Comment on dit modèle en anglais, c'est... Tour de com.
Tour de communication. Attends. Wow! J'ai eu un crash. Ah ouais. Ah bah d'accord. Ouais, ah bah d'accord. Comment dire, nous avons une petit problème technique. Excusez-nous, nous allons revenir dans quelques instants. Yes. On n'était plus à ça près. Non, pour vous dire face caméra, pendant que AJ va relancer le serveur s'il veut bien, merci. Bah, il est toujours là, c'est toi qui es... Non, avec AJ, je suis toujours là, en fait. Oui. Le serveur est toujours opérationnel. J'ai pas l'air con. J'arrive tout de suite. Je croyais que c'était l'hébergeur qui avait merdé. Ok, bon. Je sais pas ce que j'ai foutu. Oui, non, pour vous dire, au niveau de Minecraft, je sais... Alors, je ne l'explique pas, mais j'ai trouvé la parade pour restaurer le mode d'idieu, la boutique interactive. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Il va y avoir un petit paquet d'heures, enfin, paquet d'heures. Si je m'y prends bien, en une heure, c'est fait. Mais il faudra que je fasse plein de copier-coller, que je recoue de fil d'or ce qui a été cassé. Et Torota ne pourra pas nous rejoindre pour le moment parce que, chose que j'ai oublié de préciser, et c'est idiot de ma part, c'est qu'il faut la version Java Edition pour pouvoir se connecter à mon serveur, enfin notre serveur, il est commun maintenant. Et voilà, donc ceci explique cela. Dans un monde Lego. Oui, dans un monde Lego, tout est possible, même les déconnexions sauvages. Yes! Merde, j'ai oublié de remettre le jeu. Je mets ma tronche en plein écran en train de faire mon idiot comme d'hab pour rien changer. Encore que... Le temps de passer le menu, il faudra que je me reconnecte à ton serveur. Jouer en ligne. Rejoindre un copain. Ouais, rejoindre une partie. Alors, Edge, où es-tu? Poilou. Joueur et zoueuse. Non, contact. Merde, j'ai cliqué là où il fallait pas... Non. Nope. Contact. Bah. Je te vois dans le petit truc et je te vois pas dans le grand truc. Contexte. Le contexte des fenêtres, le truc. Non, je te vois pas dans la grande fenêtre, mais je te vois dans la petite. Or, c'est depuis la grande que je peux... Vous avez contact en ligne. Bien. Ding. Bug. Non mais arrêtez de déconner là. J'ai construit un modèle I2, mon dieu. Un monsieur... Ah, monsieur Grenouille comme dans Minecraft. Attends, déconnez pas, je peux plus rejoindre la partie moi. Bonjour Coupon, j'espère que tu vas bien. Oui, alors déjà, publiquement Poupon, je dois te faire des remerciements. Je reste en plein écran en la tronche parce que là j'ai un problème de connexion sur le Lego World. Décidément, tout part en charpie ce week-end. Oui, Poupon, il n'y a pas de souci. C'est lsdn.craft.vg. Oui, Poupon, je dois te remercier parce que tu m'as rafraîchi la mémoire. J'avais oublié qu'on pouvait personnaliser les icônes des serveurs Minecraft. Et j'ai vu que tu avais mis ton beau logo. Et du coup, je me suis dit, mais quel abruti je fais. Autant que je balance mon icône de chaîne pour qu'on puisse clairement m'identifier. Et je m'étais exécuté dans le courant de la semaine qui est en train de s'écouler. Donc, merci à toi. Oui. Il y a une prison dans laquelle il y a un Tyrannosaurus Rex et moi-même, Monsieur Biscuit, on demande quel est l'animal le plus dangereux. Le biscuit. Regarde, parce qu'il a des noisettes. Je dis n'importe quoi. Ouais. Est-ce que tu peux me croquer aussi? Vas-y, essaie de le croquer, le bonhomme. Ah oui, tu l'as cassé. Non, mais pas le casser, le croquer. Mais j'ai pas le son du jeu, ça m'énerve. Alors moi, ce qui me tue, c'est que je peux plus rejoindre. Ça a cassé l'interface, je deviens fou. Bah ouais, je vais relancer. Ok. Mais... moi, de mon côté, peut-être. Ok, alors. Ouais, on va relancer, ouais. Oui, on va relancer, je vais bien, parce que là, je comprends pas. C'est trop bizarre. Je vais faire ma petite maintenance favorite, c'est vérifier les fichiers du jeu. J'aime bien ça. Je le fais quasiment jamais, mais tu as raison. Ça prend pas longtemps, en plus. Ah la vache, c'est rapide.
Il y a 3,37 scène... Oui, c'est énorme. Enfin, là, c'est normal. Merci de la remarque, Popon. Mais c'est parce que je veux pas vous faire coltiner tous les écrans. En plus, ça peut être un peu indiscret parce que vous voyez les identifiants. Bon, on est entre nous, mais par principe, j'essaie de pas trop montrer mon annuaire de copain. Mais merci, tu as raison de la remarque, Popon. Merci, merci. Mais là, je comprends pas. J'étais parvenu à me connecter au serveur d'Edge, qui a la gentillesse de nous héberger. Après le crash que j'ai eu, Steam me propose plus de me connecter. Enfin, je comprends pas. Là, c'est littéralement un bug. C'est bizarre. Oui, que tu es chargé. Oui, j'attends ton feu vert. J'attends ton feu vert. Vas-y. Non, mais il y a des trucs, ça me rend fou, Poupon, ça me rend fou. Oh là là. Avec l'accent, j'avais l'impression de faire une imitation de l'excellent belge. Les carnets de Monsieur Manhattan, j'adore. Ah oui. De Poulvord. Benoît Poulvord. Poulvord. Bonne nouvelle, j'ai pu me connecter avec Java et mis ton monde en multi. Bien, Torota, cool. Ah, je suis ravi, bienvenue à toi. Et vous voilà. C'est cool. À l'orée d'une aventure créative. Ok, overlay. J'ai pas le son. Overlay. C'est parce que tu es devenu sourd, Adjay. Tu as trop écouté de bonne musique ces derniers jours. Hein. Bienvenue dans Lego World. J'entendrai pas. Alors, je vais essayer de te rejoindre. D'office, il me refait le même bug. Faut quand même pas que pareil. Je lance Steam quand même. Oh là là, ils font. Moi, ouais, c'est pareil, j'arrive pas à avoir le. Bah, j'ai plus l'accès. Ça, c'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est un sacré bug. Du coup, ouais. Ça flingue notre après-midi de jeu, je suis désolé. Bah, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve tous sous Minecraft maintenant? Si ça vous dit. Ah bah non. Oh, pardon, EJ, t'as pas Minecraft. J'ai rien dit. C'est pas facile de voir. Oui, j'ai tilté après. J'ai dit merde, le pauvre, il crèverait d'envie d'avoir le jeu et puis il l'a pas. Oups. La boulette. Déjà, je charge un jeu. Non, ensuite, mais franchement, je comprends pas le bug. Ensuite, je fais sur Play Online. Ensuite, je prends. Pardon, EJ, je suis désolé. Je t'ai fait un ascenseur émotionnel, c'est horrible. Le pire, c'est que j'en parlais tout à l'heure avec Torota, le truc à pas faire. J'arrive pas à rejoindre. Mais c'est quoi cette blague? Aïe, aïe, aïe. Oups. No. C'est ça, incident diplomatique. Bon, je suis en train de cliquer sur n'importe quoi, vous voyez même pas sur quoi je clique. Non mais hey, vraiment problème technique. Hein. Ouais. Je vais relancer de mon côté, tout relancer de mon côté. Ouais, je vais relancer Steam aussi parce que là je pige pas là. Attendez, moi je vais arranger ça. Ok. Ou alors tu veux essayer d'héberger Nayonet peut-être. Oui, j'héberger, mais j'ai. Enfin, ouais. Je rêve de voir quelque chose avant. Je vous laisse commencer et je vais faire un truc. Je reviens d'ici 5 minutes. Oui, donc je reviens d'un vocal dans 5 minutes. Vas-y. Ça marche, salut. À tout à l'heure. Donc là, j'ai quitté Steam. Waouh, vous avez entendu? Il y a un foufou de motard qui est passé à Donf devant chez moi. Cinglé, le mec. Il devait être à 80, là. J'ose pas dire 100, mais c'était pas loin. Oh, les maboules. Bref. Je vais relancer Steam qui n'affiche plus les contacts. Je comprends pas. T'as pas d'amis. Ouais, c'est ça, j'ai pas d'amis. Ouais. J'essaye pas trop de montrer mon annuaire. Bien joué. Oui, oui, Poupon. Là, franchement, la dernière mise à jour de Steam... Pour ce qui est des contacts, il y a un gros couac. C'est flippant, quoi. Donc je vais relancer Lego World, puisque j'ai relancé Steam. Espoir. Ok, Nayonet. Ouais, configure ta POX paisiblement, merci. Merde, je suis en train de... Attends, comment j'ai décalé mon... Pourquoi ma résolution d'écran, elle est foireuse comme ça? J'ai l'écran principal qui déborde sur le secondaire. C'est pas normal. Oh, il n'y a rien qui va. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Non mais c'est vraiment du délire. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais d'où t'as vu que j'avais une résolution comme celle-ci là? Faut arrêter Lego World. Bienvenue dans Lego World. Attendez, pardon. Paramètres vidéo. J'ai les sons du jeu, le monde est créé. T'es un chef, je vais pas tarder à te rejoindre. Il m'a changé la résolution dans un truc complètement excentrique. Merci, là déjà c'est mieux. Voilà, c'est cool. Donc, charger une partie. Bienvenue dans l'ego du sage. Merci, tu te cèdes. C'est malin. Mais là, manque de bol. Alors, j'ai l'honnêteté de lire de vive voix. Mais comme je diffusais que ma tronche. Mais je t'ai bien vu, c'est malin. Jouer en ligne. Et là, si ça marche, je vais avoir plaisir de vous refaire basculer dans la bonne scène. Et vous verrez plus ma tronche. Oui, sauf que l'écran est grave buggé. Ah! Ah! Ça marche. Alors, voilà. J'attends qu'il charge. Et une fois, pour pas le bousculer, je voudrais pas faire planter le jeu. Une fois que j'ai l'image de jeu, je rebascule. Voilà. Tous les progrès contribuent à la partie de l'autre, pas à la vôtre. On s'en fout, c'est pas grave. Voilà, bon, il y a mon Gugus qui atterrit sur une terre vierge. Je reviens vers OBS et oh joie, vous allez voir le jeu. Enfin, si je clique là où il faut. Merci de votre patience. Hic. Là, je peux peut-être mettre un petit fond musical en attendant. Un fond, moi. Ça se met pas à hurler à mort. Je sais pas si c'était bien réglé la musique ce matin, mais bon. Oui, encore merci à Petit Seb Live qui avait fait un relais de chaîne. Merci à lui, c'est adorable. Re-Christella. Avec un peu de chance, t'arrives au moment où j'ai résolu les pépins techniques. Du moins, on l'espère. Et on va peut-être se détendre un peu entre copains. Tadam! Et tadam. Dur. On va y arriver. Et moi, je vais peut-être apprendre à maîtriser la manette. Voilà, je regarde j'ai un coup d'œil sur ma tablette sur le côté pour revoir ce que j'envoie sur Twitch. Ça me permet de faire le contrôle de qualité. Est-ce que ça rame? Je vais me mettre à courir. Ça a l'air fluide. Ça, je vais tomber au bord de la carte, on s'en moque. Ça a l'air fluide. Ouais. Ah non. J'ai des petites saccades. Je sais pas pourquoi. Merde. Ah. Minute papillon. Alors, est-ce que là, si je fais l'inverse... Est-ce que c'est mieux? Oui, pas chez nous. re tout le monde. Bonjour tout le monde. Pardon. Vous arrivez tous en même temps. Du coup, peut-être que je loupe certains d'entre vous. Re Dragon Sky, re Twinsen, re Torota, re Cressella. Bonjour, re Poupon. Oui, des grosses saccades. Ouais. Attendez. Alors moi, j'ai mon jeu qui saccade un peu maintenant, mais OBS va peut-être. Ouais. C'est pas normal. J'avais pas les saccades à Noël. Hein. Y a un truc qui a changé. C'est bizarre. C'est mieux. Mais c'est pas parfait. Me revoilà. Renaillonnet. Alors, si j'y vais bien, ça devrait passer sans faire de coupure. Normalement. Alors, pour le moment, on reste chez Edge puisque ça marche. Ouais. Le plus gros souci, moi, en tant que diffuseur, c'est que j'ai des petites saccades. Ah oui, je te vois saccader, honnêtement. Bah, c'est encore correct. Enfin, correct. Non. Professionnellement, non. Mais c'est moins pire que tout à l'heure.
Ça me permet de faire le con devant toi. Ah, écoute, Poupon, je sais pas, mais ça marchait bien à Noël, j'ai rien changé de particulier, et maintenant ça marche plus. Je comprends pas. Salut Chrysella, salut Twinsen, salut Poupon, salut Dragon Sky, salut Soro. J'adore la chorégraphie. Alors, je vais rechanger, pardon, je rezappe mes fenêtres. Je vais essayer de mettre le mode supérieur à la normale et ce sera peut-être le parfait entre deux. On va voir. Alors attends, oui, coucou. Hello world. Oh yeah. Ça a l'air correct. Je suis pas sûr d'être à 30 images secondes, mais ça a l'air correct. Ouais, merci Christella, merci à vous toutes et toutes. Tous, non, toutes et tous. Allez, zou. On va s'amuser comme des... Oh, des gâteaux gourmands. Oh, cupcake. Et les cupcakes de l'amour. Oula, oula, oula. Oh, sexy boy. Oh yeah. Mais pourquoi il m'a soustrait mon truc? Je voulais le poser, je voulais pas le soustraire. Merci. Oh là là, cette non-maîtrise. Oh, c'est beau, ça se fait par couche. Yeah. J'en veux deux. Si vous avez des suggestions dans le chat, hein, faites-vous plaisir. Je vais essayer de m'adapter et de maîtriser surtout. Bat-silo, ça veut dire quoi, bat-silo? Ah, non, t'as envoyé une image, mais c'est le texte brut, le nom du truc qui a été balancé. Donc du coup, ça veut rien dire. Je peux rejoindre deux parties, là. Ça me... Tout à l'heure, j'avais l'option pour rejoindre, maintenant c'est grisé, enfin, y a rien. Quoi? C'est pas vrai, déconne pas. Ah, voilà, non. Oh, c'est chiant, pourquoi je peux pas y aller comme ça? Bah, tu m'étonnes que c'est chiant. Pourquoi ça n'apparaît plus? J'ai rien changé comme paramètre. Au contraire, j'ai ouvert les possibilités. Il y a moi là qui fait la cornemuse. Oui, oui, oui. Et c'est là qu'il dit Edge, c'est un groupe de rock à lui tout seul. Ah bah oui. Hein. Ah oui, oui. Hein. Pourquoi il veut pas? Tu peux me montrer comment t'as fait pour rejoindre le sage? Parce que là, j'ai pas compris. Ouais, ouais, ouais. Attends, je te montre ça. Non, non, je t'en prie. The pyramide. Attends. Attends, le temps, le décalage, faut que j'attende un peu. Non, puis il faut que j'allume mon cerveau. Alors attends, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter, Edge. D'accord. Ok, ok. Sauvegarder et quitter la partie. Oui. Oh. Mais hé, il m'a éjecté du jeu. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, je vois, ça y est, je vois. C'est apparu. Bon. Tu vois. Je voilà. Vois. Oui, mais moi j'ai laissé ma place. Pas. Parce que ça... Moi ça a craché. Du coup, c'est apparu le temps que tu fasses ta manip sur mon écran, les amis. Du coup, c'est incompréhensible. M'en parle pas. On y retourne. On y retourne. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que c'est Steam qui bug et pas le jeu. Ah, mais je suis loin de chez vous. Oh non. Je suis très loin. Loin derrière voilà, moi. Vous avez à l'écran un homme désabusé. Oh, je suis désolé du triste spectacle. Oui, quand ça veut pas, Poupon. Attends, oh, justement, je vais regarder comment ça se connecte chez toi. Oui. Ah bah là, pour le coup, je vais tout vous montrer. Moi, j'en peux plus. C'est ça, reste en pièce. Oui. WB Games. Dans un monde légal. Il y a un décalage, du coup, je suis juste attendre. Mon dieu, m'en parle pas. Et là, je fais mon vilain. Je fais la même manip, mais vitesse Matrix. Vous aurez rien vu. Bienvenue dans Lego World. World. T'inquiète, tu n'y es pour rien. Ouais, mais c'est rageant quand même. Re-cousin, re-Rio. Aïe, 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 bonjour. Aïe, aïe. Bonjour Chrysella, bonjour Poupon et bonjour Rio dans cette agitation, et puis bonjour Tinsen.
J'étais occupé par... Je ne peux plus. Et bonsoir, bonjour Dragon Sky, pardon. Tu ne peux plus. Alors, fais voir, attends. Justement, là, je vais voir. Alors, t'es connecté. Oui, à gauche, t'as rien. Ton contact à gauche, dans la tête en dessous, il est obligé d'attendre, en fait. Tu es obligé de cliquer sur contact et d'attendre au moins 2 minutes. D'accord. Bah, non, contact complètement à gauche. Ouais. On va attendre. Moi, je veux bien attendre. Hein. Je suis désolé, hein, mais... Donc, du coup, ça me laisse le temps de choisir un personnage. Je vérifie. Ah, oui. Il est sur téléphone, Nanamouchki. J'ai refaire Nanamouchki pu. Nanamouche pourri, pardon. Voilà, c'est apparaît. Voilà, nickel. Ça met un temps fou. Hein. Bon, c'est original. Oui, c'est original, oui. Donc, je reprends le monsieur bonhomme, là. Monsieur voilà. Biscuit. Je monsieur Biscuit. Yes. Et interdit de faire des problèmes de collection. On n'en parle pas. On y croit. Yes. Et je vais... Tu te réponds à toi-même, cousin. Ça m'arrive aussi. Je rigole, mais ça m'arrive aussi. Ah, Dragon Sky qui dit célébrer des Pokémon. Oui, tu répondais à Torota, oui, qui avait la gentillesse de te poser la question. Dragon Sky dit célébrer les Pokémon ensemble, rejoignez-nous lors de la journée Pokémon qui a lieu le 27 février prochain. Les dresseurs et dresseuses du monde entier se rassemblent pour célébrer leur amour des Pokémon. Participez aux festivités en partageant vos souvenirs avec Pokémon et le hashtag Maudies, donc Pokémon ensemble pour avoir une chance d'apparaître sur une mosaïque interactive. J'ai failli lire à la place de mosaïque interactive, un mollusque interactif. Mon cerveau a bugué, comme d'hab. Tout va bien. Alors, on y croit. C'est quoi ça? C'est une excavatrice? Ah oui. Tu vas voir ce que je m'occupais de toi, le sage. Je vais te excaver la construction. T'as shippé ça au docteur Boutique, pourrait te dire Funfan. C'est, ouais. C'est très docteur Ivo Robotnik, ton truc. Attention, je vais casser la maison de EJ. Eh, hey, je rêve ou il y a des... Ah, c'est lasers. Excellent. Regarde, ça marche super bien, EJ. Bravo. EJ, regarde ce que je fais. Il a tenté une percée, il a réussi. C'est sympa, ça. Attends, est-ce que je vais te percer? Attends, mais qu'est-ce que c'est que... Oh, la vache. Ah, j'ai poussé les bonhommes seulement. Waouh, ça pique les yeux, attention. Oh... Non, ça marche bien. Marche bien. AJ, je vais te découper en morceaux. Attends, c'est qui ça? C'est un perso random? On a retrouvé le chevalier Bayard? Oh mon dieu! Maintenant, faut que le sage fasse une construction et que je la casse. Alors attends. C'est tellement dur de construire, c'est horrible. C'est tellement gratuit surtout. Ce que tiens, tu as fait. Je vais reprendre là où j'en étais tout à l'heure. Où est DJ Psycho? Alors, il est par là, attends. Il est par là, Je attends qu'il construise là. Quelque chose. Il va faire une pyramide, elle va être en miettes. Elle va être en miettes. Si j'y arrive. Mais... Ah, merci. Oh. Mais venez attends, enlevez la construction, DJ. J'ai vraiment du mal à mémoriser les touches. C'est parti. Il y a sûrement de l'or dans cette pyramide, on va le chercher. Oui, bien sûr, allez, vas-y, je passe derrière pour filmer tes... Oh! Eh, ça creuse large! Oh, mazette! Ouais, ça creuse. Eh, voilà. C'est pas mal, comme ça! T'as pas intérêt à faire pareil dans Minecraft, parce que je suis fier de ma pyramide, mais là, j'accepte. Voilà, merci. Regardez-moi ce dawa. Bon, ah, moi, si vous voulez vous amuser, je vous laisse à l'excavatrice pour tout casser. Plus tard, mais merci. Alors, attends, je réfléchis... J'aimerais déjà changer d'apparence, je veux redevenir le... peut-être pas Chun-Li, il y a tellement de choix. En fait, je veux pas des discoveries, je veux des pas des objets, je veux des constructions. Non, je vais peut-être pas faire mon crâneur, encore que... Oh, le Yeti! Merde, j'ai pas appuyé là où il fallait. Je veux être Yeti, comment je fais pour être Yeti? Ah non, c'est pour... C'est là, pour mettre. Moi, pour me transformer en Yeti, je fais comment? C'était pas le bon menu. Ok, je vais me construire un peu plus loin un truc. On ne désespère pas. Oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse, pardon. Ça, c'est moi. Alors, Yeti, ça m'a fait rigoler, le Yeti. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Yeti! Oh mon dieu! Ah, c'est un escalier. Ok.
Je suis Uno Yeti qui escalade la pyramide de Khéops. Dragon Sky vous a ajouté à 6 de contact. Oui, tu fais bien. Et il y a quelqu'un, j'avais dit. Bah, je crois que c'est toi. Dragon Sky, que j'avais dit, je rajouterai à mes copains. Surtout pour demain, le mini golf, c'était là, ce serait génial. Avec, voilà, j'ai fait un beau mur. Oui, un quartier de cassé. Non, c'est Edge que je vois. T'as fait un beau mur. Où es-tu? Non, mais je rêve où il se dandine du popotin. J'ai mal vu. Attends, mais t'es où? Je suis juste à. Ah, à côté pardon. De ta pyramide. Alors tu vois, sur 360 degrés, j'en ai fait 270 et j'ai juste ignoré la parcelle là où t'étais. Excuse-moi. Eh, stylé ce que vous faites, les garçons. Waouh. Je fais un grand mur. Un mur, je refais le mur de. De Berlin. Non. Oh, il est parti loin, le lion. Oh, bordel. Ah. Oh oui. Oh oui, j'ai vu le lion voler. Oh, Simba, on t'a encore cassé la gueule. Désolé. Oh, mon Dieu. Mais oula, et oula, c'est, ça va devenir safari, là, ton truc. Et il est fou, il se met à dupliquer tous les lions. Il se met à dupliquer tous les lions. Je veux un véhicule, s'il vous plaît. Alors, pour tournoyer, pour rotate. Alors, je vais trouver. C'est là. Oh, c'est pas mal, ça. Eh ben voilà, le buggy de la jungle. Non, c'est pas là. C'était ma destinée. Ouais, dans ma série, oui, mais à la liste, c'est la bonne pacte. Merci. Oui. Oui, le Yeti en buggy. Le Yeti en buggy. Viens par ici que je te roule. Ok, c'est là. Il n'y a pas de rime en I, là. Je suis désolé. Ben, alors, rotate. Oh, c'est quoi ça? Ah, t'as coloré le... D'accord. On peut colorer, c'est génial. Attends, qui c'est qui m'a eu des pièces Lego Lune? Mais c'est n'importe c'est quoi. C'est la DLC, ça, que j'ai faite. Oui, je vois ça, je... bravo. Ah. Oh, le lion pas. Est costaud, je peux pas l'écraser. Comment on recule? Non, mais tu peux le monter. Ah oui. Oh, le style. Oh, le Yeti chevauchant un lion. Qui aurait cru? Oh, stylé! Trop la classe. Ça lague un peu, je suis désolé. Ah, mon ordi est pas assez puissant. Nayone, viens par ici. Nayone, je vais te croquer le U. Non. Si, viens ici, Nayone. Tu sais, toi aussi, t'es à croquer. Ah non. Oh, joli, ce numéro de cirque. C'est n'importe quoi. Oh, t'as une tête de biscuit. Mais oui, t'es vraiment à croquer. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Ah, oh, ouh. Ah, au secours, on m'a encastré. Ah, tel un lion en cage. Mais hey, il m'a vraiment encastré. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? J'ai pas compris. Je sais pas. Jean-Michel Caméra, au secours. Oh, le lion. Ah, on reconnaît tout de suite les... C'est une banque, c'est le Crédit Lyonnais. Je reconnais tout de suite, c'est leur logo. Encastré dans le mur. Oh mon Dieu, non. Parce qu'il est... Pourquoi je ne comprends pas pourquoi je c'est quoi perdu. Mourante dans tes contacts? Oh l'autre est... Bon. On manquerait plus que ça. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, alors ça, c'est la navette de base. Je suis pas passé par ici, moi. Comment on fait pour dézoomer? Oh, c'est Mimi, c'est le là. Lion, il fait dodo. Ah, je peux faire comme ça, ce sera mieux. C'est trop chou. Non, mais pourquoi je peux pas rotationner? C'est Mimi, regardez-moi ça. Alors que je loupe tout, au moment où ça s'anime, je fous la caméra là où il faut pas. Oh, c'est quoi ça? C'est une planque secrète. Ah, si, j'ai un vague souvenir du truc. Oh, j'ai trouvé. Que j'ai aligné. Ouch. Papapalapapapadipo. Escalade. Ah. Escalator. Oublions. Oui, j'ai aligné parfaitement. Oh, je suis content de moi. Ah. Boum, 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 boum. Bon, pardon, je joue un peu avec mon buggy, moi. Je vais laisser le lion peinard. Hein, il va pioncer. Buggy! Buggy, rotate. Buggy, oui, le buggy, non.
J'ai calé. Faut pas déconner non plus. Voilà, il est crevé le pauvre, il pionce. Oh la vache! C'est le royaume de la Reine des Neiges là que tu nous fais. Moi? Oui. Oui. Tout à fait. Elle est vraie, la la la. Je suis offert une prison, je vous enfermer dedans, vous allez voir. Oh, on va se croire dans. C'était comment l'extension que j'ai jamais fini? J'avais à peine commencé d'ailleurs dans. Merde, Nashevman, il serait là, il me gronderait. Dans The Elder Scrolls, l'île du Nord, dans Morrowind, c'est Solheim, je crois. Le nom de la terre imaginée. Enfin, dans l'œuvre fictive. L'œuvre fictive, enfin, en tant que simulateur Non, Morrowind. Qu'est-ce que je raconte? Bref. Et du coup, EJ, il fait quoi de son côté? Alternativement, je vais pas arrêter de. Oh, c'est quoi? Des vautours. Oh, c'est énorme. Des aigles. Ah, c'est des aigles, pardon. Merde. J'ai zéro en animaux, moi. Ouais, je fais un petit centre de détention en glace, là, ça va vous faire. Attends, comment on fait? Ah, j'ai trouvé la marche arrière. Ça commence à revenir. Liberté. J'ai retrouvé la marche arrière. Attendez voir. Aïe. Faut que je m'assoive différemment. Je suis en train de m'exploser le pied. Oh, c'est beau. Attends. Regarde derrière toi. Derrière qui moi. Qui derrière? Bah, moi, caméraman, je présume. Oui. Oh, c'est beau. Non. Mais. Non, tu peux voler en plus? Oh là là! Alors là, ça fait très Harry Lampoté, là. Harry Lampoté, d'accord. Ouais. Je vais aller voir Mayonnaise. Ah oui, tu fais le palais des glaces. Attends, comment il est. Bah, surtout une prison en glace, vous serez coincé dedans. Faut réussir à choper un oiseau. Tu peux en créer un et essayer d'aller vite pour le choper. Par exemple, tu peux monter dessus en sautant. Hein. C'est ce que j'ai fait. Ah. Le truc était en plein vol, j'ai sauté, j'ai appuyé sur Y pour monter dessus. Ah, il y a un monsieur qui vole dans un oiseau, là. Dans un oiseau. Merde, il n'y a plus rien dans le nid. Poussez-vous, l'oiseau, poussez-vous. Comment ça, B. Ah ouais, je peux faire mon vilain. Ah, ça t'a éjecté. N'importe quoi. Alors moi je t'empêche de... Je détruis tes constructions et toi tu m'empêches de faire mes constructions. Bah c'est du propre, hein. Waouh. Stylé. Et t'arrives à atterrir dans le nid proprement ou... Attends, je me pousse. Ah ouais. Oh classe. Cette maîtrise. Ouais, je veux bien essayer, merci. Alors, que j'essaye à mon tour. Merde, je me... On l'a raté. Complètement. Ah, je le fais gueuler. Il est pas content. Ah oui, il faut appuyer comme un acharné pour faire l'effort de battre les ailes. Excellent. Oh, un autre U arrive dans la vocale. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dragon Sky. Bonjour Dragon Sky. Bonjour. Attends, comment je fais pour planer? À un moment, il s'est mis à planer, mais j'ai pas compris comment. Oh là, va pas trop là, on va finir. Ah oui! Trop bien, c'est la flèche vers le bas. C'est fait, Eric. Ah ouais. Sauf que j'ai un mal de chien à contrôler l'oiseau. Vous faites tous une partie de Lego. Oui, World. Oui. N'hésite pas à nous rejoindre si t'as la chance d'avoir le jeu. Bah, malheureusement, non. Ah, désolé. Prochaine fois, peut-être. Bah, je sens que ça va devenir un jeu récurrent à petite dose, hein. Mais au moins une fois de tous les trimestres, de se faire 2-3 heures de Lego World. C'est un gros délire, on retrouve notre âme d'enfant. Et c'est vrai que les possibilités, à chaque fois on découvre des trucs, mais je suis bluffé. La session de Noël, n'hésite pas à la voir pour ceux qui sont enchantés par le jeu. Je vous invite à aller voir dans les archives déjà de ma chaîne YouTube. En vidéo à la demande, vous regardez au niveau de Noël dernier. EJ avait eu la gentillesse de partager un temps de jeu avec moi sous ce jeu. Et c'était génial. Oh, on avait rigolé comme des fous. Attends. Mais du coup, pour descendre... Waouh, en planeur, j'adore. Ah, en piqué. Je l'ai déjà mis dans ma liste de souhaits, les Gowers. Ouais. Bien joué.
Je l'ai mis en top position en numéro 1, comme ça je sais que c'est le jeu en priorité à obtenir. Bon, je cherche même pas à faire des ordres de priorité moi dans mes 10 de souhait, mais t'as bien raison. Alors attends, là je bats, alors la touche du bas, je prends de l'élan, et la touche sur le côté droit, je freine, si je puis dire. Ah, c'est stylé. Tu veux que je te rende ton oiseau, EJ, ou... Non, il y en a plein, et puis s'il ouais. faut, je peux en créer. Ok, Nayonet, tu veux peut-être essayer de faire de chevaucher un oiseau. Je vais finir de vous emprisonner. Ah, d'accord. Alors attends, je vais survoler ma future prison pour trouver un plan d'évasion d'abord. Qui c'est qui a fait une construction dans ma prison? En plein milieu de la prison, toi, ça. Tu peux t'adapter, ah, c'est un truc. Je l'avais pas vu. La, ah, scrogneugneux. Pole position. Ne demandez pas pourquoi je chante ça. Oh, c'est beau. Oh, avec le soleil, c'est magnifique. On se croirait en Grèce, là. Oh là là. Stylé. Merde, j'ai cliqué trop vite. Oh non, ça a pas pris en compte les mesures. Oh, je suis obligé de recommencer. Oh la loose. Ah mince. Et en parlant de la Grèce, vous vous souvenez comment on désigne une femme grecque qui est dite nymphomane? On dit qu'elle est accro à Popol. J'adore cette vanne à la noix. Excusez-moi. Mais c'est beau, j'ai franchement, c'est magnifique. Mais bon, ok, je... Ah, est-ce que je peux me poser comme un malin? Tu vois, je vais pas maîtriser du tout l'oiseau. Non, j'y arrive pas. Ah! Je peux pas me poser sur le rebord? Merde, je suis pas au-dessus. Oui, il y a l'ombre. Non! Mais attends, il y avait l'ombre portée. Ah, il fait nuit. Ah non, on peut allumer la lumière, s'il vous plaît. Ouf. Eh ben, j'avais du mal. Ouais. Alors, on voit rien, on voit rien. Je vais y arriver. Bah, ah oui, merde, il faut que je fasse splash du haut, j'ai rien sélectionné. Je me persuadais que j'avais sélectionné le truc, mais pas du tout. Loup-garou, c'est pas mieux. Captain Pirate, oh, trop classique. Une co-girl? Non. Ah ouais! Ah, en plus, en ce moment, c'est les seuls éditeurs de les jeux de chez 2K. Attends, Lego, c'est Telltale. Warner Bros. C'est Warner Bros. Warner c'est Bros. Warner. Plus. Ah oui, non, c'est pas pareil. Ouais. C'est Bugs Bunny, ceux qui font des carottes, voilà. Pied carré, oui. Oh, Gary Spartiate, le méchant robot. Eh, pas mal! Ah, oh, c'est rigolo. Pas mal. Ah, le cache 2022, il me tente fortement parce que là, vu son prix, il me tente fortement. Et chez chaque kebab. Waouh! Mais il a moins 75% déjà. Oui. Il a 15 balles. Ça va? Ouais, il tente. C'est tentant. Hein. C'est vraiment tentant pour 15 euros. Hein. Alors attends, véhicule. Mais voilà. Je me suis loupé. Oh, motocross. Motocross, si j'arrive à contrôler ma caméra. Ouais. Je vais me barrer un peu plus loin avec la motocross. Oh bien, pas mal. Bon, tant pis, c'est mal fait. Tant pis. Et moi aussi, je vais faire mes constructions dans mon coin à moi. Voilà, histoire de pas empiéter sur vos œuvres. Attends, là, je vais un peu embarquer le carte, je crois. Oh, il y a de la marge, hein. Franchement, il y a de l'espace. Alors, à partir de là, je fais ça. Je fais par ça. Par contre, je sais pourquoi ils font la promo du jeu, d'une grosse promo sur le jeu de cash 2022. Parce qu'il y aura le WE 2K23 qui va arriver au mois de mars. Ah, ouais. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il fait un gros rabais dessus quasiment, sur la version 2022. Squelette de dino. Et quoi? Écurie de licorne. Alors si je fais ça... C'est délirant.
Maison de glace. Ah oui. Camp de chasseurs de monstres. Mouais, bouf. Je comprends pas pourquoi ils ont fait comme ça. Une niche. Ah, fosse au lion, on aurait pu. Ah oui, par contre là ça vaut vraiment le coup parce que le jeu de catch avec le season pass, ça fait pour 25€ le tout. Ah. C'est. Ouais. Franchement, c'est. Pour un tarif aussi bien, y a pas mieux. À moins que si je peux avoir avec les sites qu'on m'avait fournis. Qu'a j'ai dit, non? Mince. On va chercher le jeu. QG des missions. Non. Faut le mettre en face du camp des scientifiques, là. Ah, bref, en ces temps difficiles, je vous invite à faire attention, évidemment, à vos sous-sous. Soyez prudents. Parce que là, c'est vraiment dur, dur. Ouais, je fais toujours attention. C'est bien triste. Non, mais c'est très bien, mais là, franchement, c'est vraiment dur, dur. Qui c'est qui est dessus, moi, là? Qui c'est qui fait quoi? D'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai que c'est pas drôle d'en parler, mais c'est vraiment important. Alors, d'après les spécialistes, c'est tombé sous mon pif en lisant la presse ces dernières semaines. D'après les spécialistes, l'inflation aurait une dernière piquée pointe en juin. Et on espère, ça devrait au moins déjà se calmer, se stabiliser, ce serait bien. Mais ce serait mieux que ça redescende un peu et qu'on regagne un peu de pouvoir d'achat, parce que dur. Voilà, en théorie. Espoir. Oh, c'est beau! J'aime beaucoup cette construction. Alors, là, sur le nid d'aigle, il y a un aigle qui est en train de dormir, c'est mignon. Ah oui, je pense bien. C'est mignon. Petit château par rapport à certains modèles, mais alors il a de la tronche, surtout qu'on est de nuit là, donc les torches. Oh, c'est trop stylé! C'est trop stylé, je sais pas j'adore! Ce qui s'est passé, mais... Oh là là! C'est un concept. C'est un concept. Ouais, chez d'autres concurrents, le prix est à moins 79%. Mais comme quoi, ça fait, ça fait 12,89€. Ouais, ils ont eu les instructions de l'éditeur en disant allez-y, vous bradez, parce que le mois prochain il y a le nouveau qui arrive et on va s'en mettre plein les fouilles, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, c'est ça, tout à fait. Oh non, excusez-moi. Wow, la chorégraphie du robot que j'incarne, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est ce beans? C'est quoi cette blague? Allô? J'arrive bonjour, pas à placer correctement mon bloc, c'est toujours un cran au-dessus ou un cran en-dessous? Un cran au-dessus ou un cran en-dessous? Le cran du dessus. C'est bizarre tout ça. C'est forcément un tricheur. Oh yeah. Bon. Faut quand même saluer les concepteurs qui ont pris le temps de modéliser les modèles, là, c'est... Enfin, je vais faire un pléonasme, pardon, mais... S'il y a du beau boulot. Sur mon site, en général, que j'achète mes jeux moins chers, qui est français... Cocorico. Bah du coup, je l'ai encore un petit peu moins cher au niveau du tarif. Comme quoi? Comme quoi, de l'intérêt de bien farfouiller la plateforme, la plateforme mère elle fait 14,99 et le revendeur il le met à 14,96. À quelques centimes, voilà, quelques centimes de moins en rabais. Oh la vache, oh le phare, ça peut être sympa. Ouais, dans Château Samurai, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Oui. Et en plus, ça pour dire vous êtes intéressé par le catch, eh ben, on vous fait une offre groupée exclusive, rien que pour vous, monsieur. C'est-à-dire, alors si j'achète le jeu de catch, eh ben, ils me font une offre jeu de catch avec Mass Effect 2. Pour le tout pour une quinzaine d'euros. Ils me font de l'eau au pif.
Si on le, la deuxième offre, c'est le catch avec 5 clés random style premium. Eh oui, pardon. C'est-à-dire que c'est 5 jeux au hasard, au pif. Mmh. Oui. Qui sont original. Premium, hein. Mmh. Qui sont premium quasiment, qui... C'est pas forcément... pas forcément mauvais. C'est beau. Voilà. Ok, merci pour l'info, Dragon Sky. Oh. Mais j'ai jamais acheté des, par contre des clés random Steam. Des clés sur marché gris. Moi personnellement je le ferais pas, je ne m'y risquerais pas comme on dit. Oui, des marchés gris quoi, des clés random. C'est, non, c'est-à-dire c'est des jeux random, c'est-à-dire que. Ah oui, oui, ok, oui, ok, je trouve. Des jeux random, c'est au pif. Oui, oui, des jeux random. Après, il y avait le site Unbundle qui, pendant un an, a fait ça, et ça s'appelait Mystery Bundle, et je sais plus comment c'est le nom exactement, mais c'était c'est les 12 premiers mois, c'était génial, les jeux. Et malheureusement, j'ai pas appris, par crainte, que ce soit des jeux peu intéressants. Et quelle erreur. Quelle erreur. Bon, mais maintenant, c'est plus intéressant. Oui, 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 mais ce genre de trucs, ils les font pas cher, en général. Parce que ça se vend bien et tout, donc voilà. Je relance, hein. Vous avez remarqué que ça a craché de mon côté. Ah, j'ai bien vu. Oui, j'ai vu. Quand ça va recracher, je vous cache pas, si ça recrache, j'abandonne et on passe aux bibilles. D'accord. Ouais, les bibilles. Ouais, ça sera après. Je fais une dernière connexion et puis si ça part en charpie, je ne cherche pas à lutter. Elle fait animateur radio, dit Rio. Animateur radio, go go. Alors, reconnexion. Tac, tac, tac. Contact. Je m'attends bêtement. Donc, vous avez le plaisir de me voir en plein écran. Ce qui, je crois, n'a absolument aucun intérêt. Je suis désolé. Et je dois attendre. Ouais. Naïnone, je t'ai envoyé une demande d'amis sur Steam. Ouais, je ouais, la vois. Okay. Attends, comment je confirme? Alors, je pense normalement t'as dû la recevoir. Ouais, ouais, c'est j'irai bien, la voir. Attends, validé, là, j'irai la voir. D'ailleurs, le fait de valider, ça m'a permis de provoquer la fenêtre de connexion. Cool, merci. Ce qui m'arrange bien. Voilà, chargement de l'autre, veuillez patienter. Donc moi, hop, je peux recommencer à faire comme ça. Voilà. Yeah. Ah merde. On y croit, je me connecte. Quoi? Écrasement de carottes. Je vois l'aigle royal. Oh, je me suis bien viandé comme un caca. Alors, attendez, touche 2. Je veux changer d'apparence. Changer d'apparence. Enfin, si je peux. Oh mon dieu, un extraterrestre, il a une tronche. Mais ici, marcheur, Kizako. Oh la vache. Ah, le fameux Lens, les gargouilles. Gestro. Oh, stylé, je l'aime bien le Gestro. Ah, tout le monde a droit à un joker, c'est ce qu'ils disaient dans la pub. Oh, escalation, petit peu d'escalade. On pense à faire des portes aussi, Nayone. Bah, c'est une prison, donc non. Ah. Non, mais c'est une prison, mais sans... c'est une oubliette, en fait. Je vais faire mon vilain. Un petit véhicule. Et je vais faire le fou dans la muraille. Attends, il me faut un truc vraiment... genre une moto. Une moto. Allez, hop. On valide la moto. Alors, attends, faut que je la mette dans le bon sens. Si je peux. Yes. J'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens, mais c'est pas grave. On va essayer de faire un demi-tour. Bougez pas. Mais pourquoi il a pas voulu placer? Non, je peux pas faire demi-tour. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Je vais pas pouvoir faire demi-tour, c'est pas possible. J'ai eu ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Oh, voilà. Il a fait, il a...
J'ai remarqué depuis la dernière mise à jour de Marvel on Stream, on ne peut plus, on ne peut plus jouer en solo avec sa propre bille personnelle. Ah, j'ai jamais fait gaffe. Je viens de défoncer un truc en moto, j'ai pas compris. Je pensais que c'est le décor qui allait m'arrêter, mais non. Non, j'ai... Je te vois en saccade, le sage. Ah, encore ? Non. Oui. Parfois, si. Parfois, ouais. Parfois, mais pas souvent. Ah, merde. C'est peut-être parce qu'il y a trop d'éléments à calculer et mon ordi est en PLS, je suis désolé. Ça va me faire du boulot dans la semaine à venir. Heureusement que je suis en rythme de travail très léger, que je vais pouvoir m'accaparer à reprogrammer au niveau du serveur Minecraft le mode dieu et la boutique. Et il va falloir que je mette en route sérieusement la semaine prochaine le mode de PC. Un pour jouer, un pour diffuser. Mais j'ai envie de vous dire, c'est la semaine qui arrive ou jamais. Parce que... Mais c'est chiant cette caméra. Mais merci de votre patience, hein, je suis désolé. Comment ça, le mode dieu ? Le mode dieu, c'est quand FunFan fait son foufou et il déclenche ses orages, il donne des trucs dans Minecraft. Ah, sachant que j'ai changé de mode de jeu, j'ai entre guillemets modé Minecraft hier au niveau du serveur pour avoir les nouvelles fonctionnalités que j'ai dans le Discord que j'ai présenté ce matin. Je me suis rendu compte avec surprise que ça avait cassé mon mode dieu. C'est-à-dire le fait de donner des trucs depuis ma boutique virtuelle, la Westbot. Et entre midi et deux, j'ai fini par trouver la parade. Je sais comment réparer le souci sans être capable de l'expliquer pour le moment. Je verrai ça plus tard. Je vous fais la promesse que la semaine qui arrive, je vais tout reprogrammer comme il faut. D'ailleurs, peut-être avec un peu de chance, si je m'y prends bien, que je suis pas trop crevé ce soir, conditionnel, je vais peut-être essayer de remettre la plupart des options dès ce soir. Si éventuellement on devait se refaire un petit peu de Minecraft demain, je ne sais pas. Ne serait-ce éventuellement pour essayer, peut-être, on verra. Parce que demain matin, sûr, je continue mon Final Fantasy. Début d'après-midi, on fera du mini-golf. On fera pas de camion, pas ce week-end, désolé. Ouais. On fera mini-golf, on fera peut-être un peu de Minecraft, et puis on finira avec je sais pas quoi, on verra. Aïe, je fais n'importe quoi. Je viens de remarquer, tu nous espionnes dans Minecraft maintenant. Comment ça? Tu nous espionnes? Bah, j'ai envie de te dire... Parce que je viens d'être surpris que je vois que Dragon's Quest s'est fait tuer par un Enderman. Je me suis dit, hein, quoi? Oui. Comment dans le Discord c'est au courant? Je me suis dit, hein. Alors, je ferai, quand j'aurai mis au point que j'aurai tout réparé, je ferai un petit billet d'information pour tout le monde. C'est la nouveauté d'hier soir. C'est-à-dire que vous pouvez écrire dans le Discord, les joueurs connectés dans Minecraft le verront, et vice-versa. C'est-à-dire, ceux qui écrivent dans Minecraft, ça apparaît maintenant sur le Discord, dans le salon dédié. Mais c'est pour ça que mon mode dieu a sauté, mais je vais le réparer. Et j'ai aussi demandé, parce que tu peux demander plein de trucs avec ce robot, c'est magnifique avec ce programme. J'ai dit qu'il fallait indiquer les succès déverrouillés par chaque joueur dans Minecraft, plus les décès. Mais j'ai pas voulu mettre les connexions et déconnexions de chacun, parce que c'est à la discrétion de chacun de vouloir jouer peinard quand il le souhaite. Oui, parce qu'après ouais. Ça fait un sacré bazar dans le truc. Alors, non seulement ça fait un sacré bazar, mais en plus, je me suis dit, même pour moi, je vous le cache pas, il y a des moments où j'aime bien me connecter au serveur discrètement, en disant je vais pas forcément provoquer la venue des autres, et puis joue peinard pépouze. Et puis, pour peu que FunFan n'ait pas l'information comme quoi je suis connecté et qu'il oublie que je joue régulièrement le soir, il n'y a pas un dieu qui me fout une rincée ou un zombie dans la tronche. C'est agréable aussi. Voilà. Salut FunFan. Tu sais, les mecs lâchent, ils en profitent quand son modo principal est pas là. Aïe, aïe, aïe. J'imagine il est en train de réécouter la rediffusion et puis voilà. Oui. Qu'est-ce que t'as dit?
il serait capable de m'envoyer un MP après. Quoi? Que signifie? Tu sais que tu vas avoir la pluie dans le, avec le camion tout le week-end prochain. Voilà, ah, vous êtes emprisonné. T'as fini ta muraille? Ça a de la tronche. Bon, les portes, zut. Hein. J'ai juste que j'ai été décalé à un endroit, du coup, il y a un trou. Donc, c'est pas vraiment une prison. Oh, et j'ai fait une piste de karting, là, quoi. J'ai comblé avec des bâtons. Je vais mettre des bâtons partout, moi, tu vas voir. Ah, c'est la lame. C'est le test au permis de conduire. Ah. Oh, merde. Ah, bah, j'ai déjà faux. J'ai dégommé une balise. Excusez-moi, monsieur. Ah, peut-être... Oh, le lion, déjà, oui, il est prisonnier. Ah, peut-être... Oh là, je suis en train de me faire peur. Est-ce qu'ils sont les bâtons? C'est beau, oh là là, vous en avez construit des choses. Alors, je fais d'abord au sol et ensuite je repasserai un véhicule aérien. Si vous les voulez bien. Je peux passer dans l'acropole en moto. Oh, le truc qui se fait pas en vrai. Non, des matons, attention. Hein. Le mec qui essaie de sortir, paf, coup de matraque. C'est du délire. Ce jeu, il est excellent. Quand t'as monté un truc, c'est extraordinaire. C'est magnifique quand même. Quand on prend du recul par rapport à ce qu'on vit. Et qu'on a raison de voir ce qu'on voit, on a raison de penser ce qu'on pense. C'est... Oui, on va dire ça, c'est ça. Et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Voilà. Oh, c'est beau, il y a même des jarres. Il y a des vasques et tout ça. Oh, allez, des matons, c'est parti, au boulot. Oh, c'est beau. Oh, c'est une charrette. Pas de bagarre dans la cour de la prison, hein. Sinon, il y a un chariot pété. Au frigo. Au frigo. Ah mon dieu. D'ailleurs, je vais séparer les prisons hommes-femmes. Je vais mettre des prisons hommes d'un côté et femmes de l'autre. Alors, j'adore la voix de Nayonet, dit Rio. Elle fait animateur radio, pas moi. Ah oui. Je suis attiré. Elle fait animateur radio, Nayonet, ouais. D'après Allez, c'est parti. Animateur radio. Ouais, oui, vous êtes sur le Sage FM. Alors, Nayonet, au platine. Ouais. Animateur. Moi, je savais pas que j'avais une voix d'animateur radio. Des fois, j'essaie d'avoir le punch quand je parle, mais. Bon, je suis de bonne humeur. Faut que ça marche. Bah oui. Alors, je vais vous lire un petit article que je suis tombé sur jeuxvideo.com. De la rubrique côté tech. Oui. Alors, Google Chrome doit faire une grosse mise à jour. Ah bon? Alors, Mac ou PC, environ deux tiers des personnes qui surfent sur Internet avec un ordinateur passant par Google Chrome. Pourtant, le plus populaire des navigateurs n'était pas exemple de défaut, loin de là. Ouais, bah Google oui. Chrome est un navigateur particulièrement gourmand, capable de faire chauffer votre PC pour quelques onglets ouverts. Google Chrome est un navigateur assez lent. Les benchmarks qui comptent à la concurrence sont unanimes sur le sujet. Unanime, oui. Google Chrome est un navigateur relativement peu fonctionnalités intégrées du côté de la concurrence. On peut penser au VPN de Microsoft Edge ou Opera ou encore l'arrivée du chat GPT sur Bing, par exemple. Ah oui. Et Chrome qui n'est pas à la pointe en matière DRM, système anti-piratage qui entre, autrement dit, bride Netflix en 720p, si vous avez un abonnement avec un écran 4K. Et la liste, elle est longue, tu vois, elle est encore longue. C'est pour ça que la grosse mise à jour qui va arriver de chez Google Chrome, ils vont éviter que ça fait chauffer le PC pour quelques onglets ouverts, de consommer moins de RAM possible, et enfin débrider surtout du côté DRM. Oh merde, oui, pardon. Et que ça évite qu'on soit tout le temps bloqué en 720p. Même si on a un abonnement 4K. Voilà. C'est juste les... Et le mode Pictures in Pictures va s'ajouter aussi. Ça va faciliter pour les gens. Voilà. Google Chrome, le pansement des héros. Excellent, Torotin. Ouais. C'est pas un petit cahier des charges que tu viens de citer. Effectivement, ça va être une sacrée mise à jour. Ouais. Et en termes de grosses mises à jour qui va arriver sur un jeu qui date depuis de longues dates, vous connaissez Team Fortress 2? Oui. Ben, elle va subir une grosse mise à jour d'ampleur. Lui aussi? Ouais.
Attends, c'est quoi tous ces véhicules? Je l'ai su sur le même site, hein, sur jeu vidéo. Oui, oui. Oh, tu es de Polish. Je sais pas conduire. Ah, Polish. Il est où le klaxon? Klaxon? Je trouve pas. Ah! Klaxon. Oh, je peux creuser comme ça? C'est génial! Polish! Je vais creuser un trou sous la tombe. Sous la pyramide. Okay. Alors, il est où, Nayonet? Ah! Un lion. Ah, des lions. Yo, Nayonet, il est en train de. Il y a un trou à un moment donné. Ouch. Oh, j'écrase un monsieur, désolé. Ah, vous êtes là-bas, les garçons. Ah, c'est y a quand trop de véhicules que... ici, au secours. C'est quand que Frobos revient entre nous. Revient d'un autre monde. Peut-être l'été prochain, on ira le rechercher en forêt. Ouais. Peut-être, je ne sais plus. D'ailleurs, d'ici là, les prochaines promenades au retour des beaux jours, je vous avouerai que je serai bien mieux équipé, que je peux remercier la généreuse fondation dite du Pandarou. Je me suis enfui de la prison, vous êtes enfermé. Ben, le mouvement venu, mais d'ici là, je serai... Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait pour vous échapper? Non, je n'ai pas vu à venir. Ah, j'ai lié, il l'a trouvé. J'en reparlerai en temps voulu, bref. Viens ici. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais dans une voiture de police? Je sais pas, moi. Viens, je t'éclaire. Ah! Eh ben, dis donc, Pourquoi il boit son café, lui? Oui, pardon. Je viens d'apprendre qu'un objet vieux de 17 ans vaut potentiellement des millions sur World of Warcraft. Hein? Ah oui. Oh, c'est stylé. Qui dépasse... Qui est passé de 72 pièces d'or à des millions après la mise à jour, la 10.05. Qui vaut des millions. Des millions de pièces d'or pour une robe. Parce qu'à l'époque, ça coûtait que 72. Oui, à l'époque, ça coûtait que 72 petites pièces d'or. Voilà, qui explosent les prix à l'hôtel des ventes. Elle dépasse sur certains serveurs les 2 millions de pièces d'or et atteint même parfois les 8 millions. Et on retrouve en moyenne un prix de 600 000 pièces d'or. Vous essayez de vous enfuir, revenez ici. on va revenir. Et ben voilà un bolide. Excusez-moi monsieur, moi je prends mon bolide. Oh, Dirine, Ferrari des premiers modèles. Je vais vous tranquilliser, moi ça va pas se terminer comme ça. Attends, on va aller voir Nayonet, Edge. Il est où Nayonet? Je suis là à tranquilliser. Ah, je vais vous attendre avec un comité d'accueil, mais j'ai pas eu le temps. Oui. C'est complètement démentiel, juste pour une robe, ce qui vaut pas beaucoup d'argent à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, ça vaut des millions. Attends, c'est un truc de malade. Ma boussole m'indique des trucs, ça me rend fou. Oui, c'est dingue, les plus que ça prend, c'est... Bon, bref. Par contre, si ta boussole, elle tourne sur elle-même, c'est que il y a quelque chose qui est pas normal, voilà. Bah oui. Bah oui, je sais pas, parce que je voulais suivre le triangle vert, là, je pensais que c'était la position de Nayonet, mais je te vois pas au loin apparaître, alors je comprends plus rien. Non, mais je retourne dans la prison, en fait, là. D'accord. Moi, j'essaie d'y rentrer, en fait. Faut trouver le trou que j'ai fait, hein. L'imperfection, ouais. Enfin, c'est volontaire, l'entrée, oui, que t'as faite. Je vais regarder. Je longe la muraille. Mais il est loin, hein, t'en es sorti et c'est loin de la muraille. Non, déconne pas. C'est un peu loin, sans trop loin. Donc, je vais pendant ce temps-là, je vais démolir vos constructions. Non. C'est génial. Surtout que c'est Jack qui sauvegarde, alors lui, il pourra retrouver notre monde hors ligne peinard dans son coin. Il serait bien content de retrouver le monde virtuel. Rien que pour lui, il a bien raison. Il est là-bas, le trou. À droite. À droite. Mais les gens, c'est des fous. Ils ont réussi à faire tourner Windows 11 officiellement sur les Mac M1 et M2. Mais avec un mais, précisément. Ah bon? Bah oui. Euh,
parce que les applications Android dans l'Amazon App Store ne peuvent pas tourner. Windows Sandbox, qui permet d'avoir un bureau spécifié et sécurisé, ne fonctionne pas. Et les professionnels qui utilisent l'isolement de la mémoire via VBS ne pourront plus. Ah, et en plus, cool. La compatibilité, au-delà de la perte des performances en termes de jeux vidéo, avec l'absence du DirectX 12 est supérieure. Voilà. Donc, c'est ça. Enfin, bref, ils ont réussi à faire tourner, mais avec des inconvénients. C'est pas au point ton plan, NJ, c'est pas au point. C'est pas au point, bug, hein. Évidemment. C'est normal, parce que c'est le seul endroit, en fait. Ah, faut que tu reviennes, la marche arrière fonctionne mieux. Vous êtes dans le trou, là. Oui. Vous êtes au fond du trou. Tout au fond du trou, c'est ça. On n'attend plus que toi pour mettre ça en lumière, si je puis dire. Ah, heureusement que c'est pas un trou. Heureusement que c'est pas un trou noir parce que sinon c'est à l'infini. Oh pitié, ma pauvre. Eh, la marche arrière fonctionne mieux que la marche avant. Merde, j'ai encastré le véhicule. Oh pardon. Je passe. Attendez, je vous éclaire. Aïe, oui, aïe, aïe, aïe. Non mais on veut en marche arrière. Attends, je vais pousser le véhicule. Oh, écoute, je sais dessus. Pas. Attends. Tu viens de me rouler dessus. Désolé. Attends, je vais creuser un peu plus pour que ce soit plus facile. Bah, ou alors je tente avec élan, mais... Je pousse la voiture, mais c'est pas évident. Hein. C'est... Oh, ça aurait pu être le trou de la sécu, une scène. Aïe, oui, aïe. Non, au secours, poussez-vous, excusez-moi. C'est pas le trou de la sécu. Non, mais descendez le véhicule, ouais. Laissez-le dans le tiroir, dans le truc. Ah bah, tout seul, il y arrive. Presque. Poussons-le. Ah, oh, je sais pas, ça chute sur le côté, j'ai pas compris. Ah bah oui, il y a un... Oh, attendez. Vous, derrière, bougez, s'il vous plaît. Non, je suis encastré, excusez-moi. Ah, non, t'es à cheval sur une bordure. Oh la vache, on dirait un simulateur technique de pilotage. Je vois que j'ai de l'influence, mais très peu. Là, je vois que tu galères avec ta voiture. Ah non, mais pas qu'un peu. Oh mon dieu. Arrête. Merci, je suis pas gros, je suis encastré avec toi. Et là voilà, j'ai creusé, hein. Merci. Ouais, bah, t'as bon, creusé ma tombe. Vas-y, là tu peux passer, là. Là tu peux passer. Merci. Voilà. Adieu les copains, adieu. Oh mon dieu. Cette. Elle fait une voiture foreuse. Oui, c'est ça. Avec cette. C'est X pour la touche X pour activer le défonceur. Ouais. Tiens, et haut et bas pour aller vers le haut ou vers le bas. Alors, qui souhaite être mon passager? Ah bah, voilà, c'est fait. Allez, on laisse tomber, on s'en va. On le laisse sur son serveur. Oh là, oui. Ah, il y a Athéna, c'est marrant. Ouais. Pourquoi il y a un train dans le temple dans la... Pardon? Un train dans le temple? Non, je dis n'importe quoi. J'ai perdu de vue Edge. Ah, what? Le véhicule a disparu. Je vois pas de train dans le temple. Moi je suis là. Ah non, t'es là. J'ai pas compris pourquoi le disque dur. Le véhicule a disparu. Ah, stylé, Edge qui se la pète toujours. Incroyable. Comment je vais pas faire couleur ça, non. Mais non, mais je veux pas mettre de couleur, moi. Moi non plus. Outil découverte. Un petit véhicule. Oh, la ch'tite calèche. Oh, calèche. Tiens, qui veut calèche? Je suis coché. Non. Moi, je suis coincé. Mais le truc est coincé, c'est quoi cette blague? Ah, pardon, c'est moi qui ai fait apparaître ma calèche, peut-être. Bah non, je comprends pas. Eh, le son, il est vachement bien. Pourquoi j'enlève pas les... Mais pourquoi j'ai plus accès aux commandes? Mais je suis bloqué. C'est peut-être un bug. Hein. Ouais. Mais c'est peut-être ma faute, je suis désolé, j'ai fait apparaître ma calèche très... Les boutons marchent plus. Bon, à quelques briques de toi. Ah bah, ta manette est pas en panne, t'as peut-être un bug USB. Non, ça marche, les commandes, mais le jeu a décidé de plus me donner accès aux commandes. J'ai appuyé sur les touches colorées, mais... Si je te roule dessus, je te sauve. Bah, il faut que tu m'écrases. C'est le admin de... Non, c'est-à-dire le chef du serveur. Je suis en mode recherche. Ah, c'est toi? C'est toi, le Minecraft, l'autre. C'est moi.
Oui. Non, mais je parle de l'autre du jeu. Lego, c'est Edge. Ouais. Bah, je peux plus commander. Peut-être ils peuvent faire quelque chose pour débloquer la situation. C'est beau. J'appuie sur toutes les touches, mais bon. C'est magique. Eh, c'est très beau. C'est... Appuie sur beaucoup. Start et tu fais sauter en parachute. D'accord, merci. Sauter en parachute. Oh, j'aurais pu sauter sur le nuage. C'est beau. J'adore la promenade en calèche. Non, je voulais sur le nuage. Oh, zut. Oh, la ch'ti fontaine. Arrêtez les chevaux. Merci. Bah, j'ai récupéré mes super outils. C'est beau. Merci. C'est trop beau. J'adore. C'est la classe. Bah, alors la madame, on a fini, oui. J'ai encore un excès aux couleurs, je comprends pas. No regrets. Bah, ton avatar, on voit que tu t'agites avec le pistolet et tu fais bonjour. Oui, mais je comprends pas, j'ai pas accès au. Est-ce qu'en haut à gauche, sur votre avatar, vous avez un truc, une loupe en brun? Oui. Okay. Avatar, vous avez une loupe en brun. Oui, oui, oui. Ça fait partie de l'interface. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis tombé sur un truc de couleur. Bah, t'as un pistolet de couleur dans le jeu. C'est le trou des fonds publics, ouais, aussi. Je comprends pas. C'est horrible. Oh, la belle demeure. C'est le style victorien, ça. Voilà, j'ai réussi. Attendez, pardon. Enfin. Ah, bravo. GG Nayonet. Ça, c'est le style victorien ou je dis des bêtises? C'est beau. Hein, voilà, j'ai trouvé. Attends, on va visiter. Les chevaux vont prendre un peu de repos. La tête. Attends, elle est où l'entrée? L'entrée est là, ding dong! On voit rien chez vous! Comment on fait la lumière? Je sais plus. Inventaire, je crois. Oui, c'est ça. Lumière, lanterne. Oh, les rideaux stylés! Les descentes de rideaux. Oh, j'y aurais pas pensé. Oh. Allez, c'est parti, je vais aller sur le nuage. Je voulais aller sur le nuage quand j'ai fait le parachute, mais j'ai pas pu. Fly me to the moon. Par contre, la déco au sol, ça fait rococo en mauve rose, là. Bof. Rose ou ça? Là où je suis, le plancher où je suis dans la demeure, le parquet, il est rose et mauve. C'est rose, hein, quand c'est... Oui, en truc qui fait peur, ça fait chou, surtout gentil, quoi. Ouais, alors ça correspond effectivement aux couleurs de mon avatar, là, l'oustique en mauvais jaune, ça passe bien. Mais la demeure en elle-même, ça fait idiot, je trouve. Il y avait un nuage, où est-ce qu'il est passé? Allô? Bah, la météo est changeante, hein, je crois, non? Oh, mais c'est... La fenêtre, elle est pétée. La fenêtre, elle est pétée. C'est quoi ça? Ah! J'arrive même plus à rentrer dans les pièces. Ah, ça peut être sympa pour une petite chambre. Ah non, c'est un couloir peut-être. Alors Jean-Michel Caméra. J'arrive pas à diriger la caméra, c'est une horreur. Je suis atterri sur le nuage. Oh, bah. Ah, j'ai une bonne nouvelle, je pense. Oh, déconne pas. Dis-nous tout, Dragon Sky. Alors, le Lego Worlds sur Steam, il est à quasiment 30 balles, hein, 30 euros. Hein. Mm-hmm. C'est déjà un budget. Oui, c'est déjà un budget, mais j'ai trouvé un revendeur qui fait un très bon prix. Je pense que ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Alors, sois certain de ne pas te faire avoir, on ne sait jamais. Parce que parce que je consulte bien quand même, parce que avant, ça a été des surprises, hein, parce que j'ai déjà eu des surprises. Malheureusement, ouais, je ne veux pas doucher ton enthousiasme, mais je t'invite à l'extrême prudence. Oui. Voilà, comme la dernière fois j'avais acheté, c'était Stadio Valley. Eh ben, on m'a demandé de récupérer sur un autre compte Steam le jeu. Je me suis dit, oula, je me suis dit, ça marche. C'est pas cool ça. Ouais, ouais. C'est honteux. C'est honteux que j'ai fait. Ah, c'est scandaleux. Je comprends pas, je sais pourquoi, je suis pas sur Terre, c'est pas moi. Ouais, ce sera clippé. Crime contre l'architecture est un. Est-ce que c'est beau au moins le résultat? Non. Non, je suis désolé parce que c'était une belle demeure et tu devrais avoir honte. Je vais prendre un autre point de vue.
Mais j'ai même pas vu d'où t'as tiré. Donc t'es dans les airs, si je suis ton propos. Tu parlais de nuages. Monsieur, oh, la petite pyramide, nuages. La petite pyramide, là. Oh, j'ai retiré la pointe. Ah, ennemi localisé. Attends, tu vas voir. J'espère... Dites-moi quel modèle avion de chasse. J'en connais un qui va déguster du suppositoire. Alors, minute papillon, avion de chasse. Vous avez ça en magasin, les gars? J'avais déjà le bombardier, mais l'avion de chasse m'ira encore mieux. Minute papillon. Faut que tu me trouves. Oui, oui, oui. Attends. Rira bien qui rira le dernier, là, comme certains disaient tout à l'heure. Il y a J-Club qui est très loin, je sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas non plus, je ne suis pas dans le secret. Non, ne me dis pas, il n'y a pas d'avion de chasse. Mais si, il y a sûrement... Si, le si, biplan, si. Prends le biplan, prends le biplan. Le biplan, le biplan. J'ai un petit avion. Ah je oui, tire en direction de J, tiens, c'est parti. Le biplan, oui, le biplan, le biplan. Le biplan de la muerte. Merci, AJ, de ton précieux conseil. Maintenant, il n'y a je plus qu'à prier que j'arrive à maîtriser l'appareil. Tiens, je vais casser la calèche et je tue les chevaux en même temps. Décollage immédiat. Ah, j'arrive pas à tirer sur le manche. Tire sur le manche. Ah, mon Dieu. Ah. Et vous faites une expédition comme... Ah, il me tire dessus, il me tire dessus. Non, au secours. Oui, Dragon Sky, je fais bien une expédition. Non. Tu apprendras que pour Nayonet, elle non. va s'avérer être punitive. Ah. Le voyage... Le oui, je tire. Je sens que le voyage va être catastrophique. Oui, je l'ai cassé. J'ai réussi à la magicaler. Allez, viens ici, le sage. Viens ici, un coup. Parachute. Non, mais il me bombarde. Mais non, mais ça n'existe pas, les DCA ou les canonniers dans les nuages. Au secours. C'est lui qui va m'avoir. C'est scandaleux. Panique, oui, m'aider, m'aider. Oui. Map, map. Ah oh, non. Je vais mourir oui et finir au comme une d'attaquer les temps en même temps, sinon jamais vous y arriverez. Ah, et toi, le lion, là, tu peux pas tirer des roquettes avec ta gueule, je sais pas, mais tu vas voler. Transforme-toi. Je t'ai attaqué, c'est transforme-t-on, on y croit. Non, vengeance, c'est un scandale. je l'aurai un jour, je l'aurai. Alors. J'ai perdu la moitié de mes PV, hein. Vous avez déjà fait la moitié du boulot. Ouais, j'ai pas dit mon dernier mot. Attends, il y a beaucoup de trucs. Alors, le saligo. De nuit, vous ne mourrez jamais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme attirail? Alors, ça, j'y crois pas trop, mais... Quoi? Non. Oublions. Quoi? Le char de combat? Char de dis-moi combat qui vole. Un chariot dit de combat. Dis-moi qui vole. Vu le truc, j'ai peur que non. Non, c'est trop lourd. Ça peut pas voler. Mauvaise idée. Est-ce que idée. Je peux faire un petit feu? Un petit feu, ça serait sympa sur le nuage. Sur le nuage, ça défie toute logique. Oui, complètement. Mais c'est pas possible. Je vais l'avoir. Je crois que Eddie va s'occuper de moi avant le temps que je fouille dans mon inventaire. Je vais bien. Tu prends bien. Ah, un tourelle d'archer. Quoi, jette d'homme de main. Mais c'est ça que je voulais au début, moi. Mais oui. Mais attendez. Mais c'est parfait, ça. Ça tire. J'ai trois lampes. Je suis visible à 100 km à la ronde. Oh, ça va me plaire. Ou, si j'arrive... Le manche. Oui. Oh, on se croirait... Eh, sans déconner, on se croirait dans Mass Effect, le 2, quand vous êtes du côté de l'homme trouble. On dirait vachement l'aéronef. Ceux qui ont joué à Mass Effect 2 me comprendront. Comment je tire? Comme ça? Comment est-ce qu'on crée un nuage de toute urgence? On va chercher un nuage, mais je trouve pas. Bah, comment je tire? Oh non, je suis mort. Non, je suis éjecté. Oh, le con. Reviens, le truc. Reviens. Oh, merde. J'étais pas au bon endroit. Comment on tire? Attends, pas la touche là. Ah, j'ai trouvé. Oui, Edge. Non, pas Edge. C'est pas la bonne cible. Nayone. Je vais créer un incident diplomatique.
Non, Edja, il est là-bas. Ce n'est pas ma cible. J'ai tué Dayone, tout ça. Non, mais je suis encore là. Je suis encore sur le nuage. Pas pour longtemps, pas pour longtemps. Non, je suis tombé. Oh non, non. Ah, 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 plus dur sur la chute. Je suis sur un parachute. Youp là là là. Youp là là là. Youp là là là. Ça détruit les nuages, mon truc. J'arrive pas à le contrôler. Ah, mon dieu. J'ai dû vite prendre un... Ah, je peux faire un bonhomme Minecraft. C'est la guerre thermonucléaire. Nucléaire. Attends, je remonte mon avion, moi ça va pas le faire comme ça. La guerre thermonucléaire. Oh là. Yes. Carrément. Oh oui, complètement. Il va l'avoir. Je vois qu'il est au sol maintenant. Je monte dans les cieux, combat aérien s'impose. Non, sérieux? Ah oui, je le vois. Ah, bien par ici. Je sais où même sont pas les... piloter alors. Qu'est-ce qu'il a pris? Où sont mes nuages? Parce que j'ai mis mes nuages. Parce que j'ai mis mes nuages, mais lol. Attends, il est déjà plus haut que moi. Saligo. Un nuage. Oh là, je suis sur un nuage. Je suis content, je suis protégé. Maintenant, tu sortir le bazooka. Tu es protégé de quoi? Mais... Non, je me suis éjecté. Non, reviens. Oh, on a Ironef qui s'est viandé dans un nuage. Appuie sur B pour sortir le parachute, le sachita, la manette. Ouais, j'atterris façon Mary Poppins. Oh yeah. Bon, bah j'ai plus qu'à me dupliquer un deuxième aéronef, puisque je suis pas fichu de le contrôler. Mais moi je vais aller sur le temple, je vais prier Zeus pour qu'il me protège. Ouais, ouais. Prie-le beaucoup et bien. Parce que je finirais bien par réussir à faire mouche. Attends, je vais ressortir un avion. Fly me to the moon. Oh, c'est beau. Je finirai bien par l'avoir. Vous de Dieu. Je ne désespère pas. Alors, où est-ce qu'il est? Allez, il m'attend qu'il vienne m'emprisonner. Vite, je me suis enfui. Ah, il y a la lune. Ah, c'est génial. Oui, tu l'as pas encore vue. Elle est magnifique. Ouais, mais on peut pas aller dessus. Ah, crotte. Bon, je suis au niveau du nuage. Le premier qui s'approche, je le bombarde. J'ai trouvé Jay, mais j'ai un avion plus récent. Alors, où est-ce qu'il est le sale Jay là? Oui. Oh, il a pris le même aéronef que moi, le Saligo. Il a vu qu'il était bien. Bah, il est chouette, il a une belle gueule, hein, l'avion. Ouais. What? Mais, attends, qui c'est qui a tiré? Ah! Ah! Quoi? Mais, c'est Jay ou j'ai rêvé? Non, c'est moi qui tire. Ah. Sans... Oh! Oui! Monsieur Bonhomme lui a mis la misère. Monsieur Biscuit t'a mis la misère. C'est scandaleux. Ouais, Jay. Maintenant, c'est autour d'Edge avec son vieux biplan, là. Tu vas voir. Yeah. Avec stylé. Son vieux biplan. Bon, je m'avoue vaincu. C'est triste. Non. J'ai tiré complètement du pif, en plus. Aïe, aïe, aïe. Je suis très mauvais en jeu d'avion. Attends, et je m'occupe pourtant... de toi, le sage. Bah. Non, mais... Mais il ose me bombarder alors que je suis au sol. Cet homme n'a donc aucune limite et aucune morale. C'est scandaleux. Mais je vais y arriver, vous Doudou. Je veux ma lanterne, s'il vous plaise. Merci. Alors... Oh là. Oui, j'ai cassé l'oiseau. Ah oui. Je suis un destructeur. Nayonel le destructeur. Ouais, je descends. Comment ça? Je suis un monstre. Oui. Un monstre. Voilà. Oh, t'as pété la fontaine! Ah, désolé, j'ai pas fait exprès. Non, m'attaquez pas, m'attaquez pas. Non. Je montais sur mon tour de l'oignon pour voir. Excusez-moi. Alors, un mâle ou une femelle, je vais prendre. Tiens, une femelle. Ah, oh. Bah, t'as perdu des cœurs. Tu te fais démonter non, mais par l'oignon. Ah, il m'a roulé dessus, Edgy. Moi, tant pis, le mâle est à proximité. Je vais le tuer. Oh, regardez, c'est mignon ce qu'il fait, le monsieur Gâteau. Monsieur Biscuit, il fait des petites caresses au lion. Regardez, attends. C'est mignon comme tout. Merde, j'arrive pas à suivre. Regardez, il fait un petit câlin. Non, c'est vrai, il y a l'animation. Ouais, l'animation du câlin. Oh. C'est trop chou. Ah oui, c'est fou. C'est rigolo. Il s'amuse avec n'importe quoi. Et son copain, c'est mignon comme tout. Eh bé. N'importe quoi.
On va voir si c'est pareil avec la dame. La, 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 la. Ah oui, non. Ah mince, j'ai mis ah, oui, c'est pareil. Chopé le, l'aigle royal, mais non. Ah, il fait des caresses. C'est un gentil monsieur. Avec le policier à la matraque, non, on peut pas. C'est indécent, monsieur. Se faire démonter par la police montée. Oh. Oh, c'est trop mignon. Ah si, j'ai rien dit. La fontaine fonctionne, je sais pas. Ou alors c'est une autre fontaine. Mais non, il y en a pas 50 des fontaines. Je comprends plus. Je comprends plus. Eh bien... Qui est passé par-dessus le mur? Vite, envoyez les bâtons. Attends, j'avais pas souvenir que la pyramide était pétée en haut. Oh, ce bug! LOL! J'étais sur un mur, j'étais projeté dans les nuages. LOL! Oh, la violence. La violence. Est-ce que c'est bah quelqu'un qui a tiré un missile ou... Bah oui, hein. J'essaie de voir dans le ciel. Bah c'est, j'ai atterri. Ah, tu nous as rejoint, Dragon Sky, bien joué. Enfin, tu vas nous rejoindre. Bravo. Ben, j'essaie de synchroniser ma manette, mais elle veut pour... Oh. Sniff. C'est vrai que... J'ai peut-être fait une connerie. Ah, bah oui. Ah oui, ça se comprend, le Bluetooth il s'est désactivé tout seul. Oh. Ah bah ça va, c'est rien, tu peux... Mais Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, passé le... Je poursuivais Jay, je voulais savoir où il était passé. Excellent. Où est-il passé, ce bougre? J'ai un aérocheval. C'est délirant. Ah! Au secours! Le truc est gravitationnel. C'est très particulier à piloter, ça aussi. C'est les petits chevaux modernes. Alors là, y a, là-bas, il y a un truc. Oui, un truc violet. J'arrive c'est le point d'entrée. Droit. Mais où est l'ami Edgé? Bonne question. Je vais essayer Edgé de prendre un goûter. Ah oui, c'est l'heure du goûter. Ah, c'est oui. L'heure du goûter. Ouais. Ah bah je vais y aller, je vais vous laisser jouer tranquillement. Je vais rester dans le jeu quand même, parce que je suis le hôte. Oui merci, parce que Dragon Sky va arriver en plus, alors figure-toi. Après moi je peux héberger, hein, mais ça fait qu'on est obligé de tout construire quoi. Non mais c'est... Je ne vous inquiétez pas. Ok, à tout à l'heure, bon goûter. Bon goûter. Je termine la construction. Moi je vais prendre un... Comme les gamins, je vais prendre un goûter, mais à... Un petit café au lait. Un petit café décaféiné au lait, pardon. Ah oui, il a mis les aéronefs, hein, Nayone, il n'y a pas de doute. On vient de le voir décoller. C'est joué en ligne, c'est ça, du coup, voilà. Oui. Il faut rejoindre via Steam. Aventure en ligne ou sandbox en ligne? En fait, non, tu peux rejoindre une partie. Rejoindre une partie. Tu fais rejoindre une partie et tu choisis. Tu vas dans mon profil. Logiquement, ça devrait marcher. Ok, moi je vais prendre un petit café au lait, enfin un petit café lait, je reviens. Prenez-vous à tout vos de collations, suite. Vos goûters, faites-vous plaisir. Attends, cet aéronef m'intrigue. Ah oui, c'était celui-là. Ah, parce que chez moi c'est marqué regardez la partie. Non, tu dois pouvoir avoir l'option rejoindre ce serveur, Dragon Sky. Non, moi c'est marqué regardez la partie. Faut peut-être attendre. Ouais. Est-ce que tu vois pas Edgé dans ta liste d'amis? Et si. Et t'as pas l'option de rejoindre le serveur? Non. Ah, tu m'étonnes. Je crois que Nayone, il a dit qu'il fallait attendre. Oui, attendez, parce qu'au pire, c'est peut-être un problème de pare-feu, un truc comme ça, je pense. Chez moi, j'ai souvent un souci de pare-feu en ce moment. Ouais. Il peut dire, que comme c'est un nouveau jeu. Du coup, il n'a pas le temps de s'adapter au serveur. Du coup, il se dit mince. Ouais. Il est en train de tirer la tronche, comment dire. Attends. Oh la vache, l'avion cargo. Du coup, je vais fermer totalement Steam. Voilà. Ah ouf. Ouf. Eh, c'est pas évident de mettre les pleins gaz. Oh vache. Oh, le cerisier en fleurs. C'est quoi ça? J'ai pas vu. C'est superbe. Qui c'est qui a fait un jardin japonais? C'est magnifique! Qu'est-ce que c'est que ce. C'est moi. Bravo! Et dire que bientôt on aura la même chose dans Minecraft.
C'est le prochain biome dans Minecraft, c'est les cerises en fleurs. Oh, c'est Mimi! Kawaii, comme disent les japonais, trop mignon. A tout de suite. A tout de suite. Oui. Non, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Stylé. Waouh. Eh ben, dis donc. Ah, oh, c'est quoi là-bas? On dirait un truc asiatique aussi. Ah non. Donc quand on s'approche, c'est plus asiatique. Si, 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 c'est asiatique, je dis bêtise. Ah, oh, il y a un énorme dragon dessiné dessus. Tu m'étonnes. Burp. Ding, 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 ding. Bienvenue dans la maison du maître dragon. Mais je me suis encastré, mais c'est pas possible. On a ta future base, Dragon Sky. C'est magnifique, tu verras. La demeure de l'enfant du dragon. Enfin, ça, c'est dans The Elder Scrolls. Oh, il y a un gong. Je vais rafraîchir juste la box, hein, parce que j'avais besoin. Ouais. Enfin, ça m'interrompt pas, heureusement, le... Mmh. Un canon Nexus. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Oh, y a de ces véhicules. C'est un pare-feu, un comble pour un dragon. Bien dit, Twinsen. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule de Maboule? Wouah. Voilà, heureux. J'ai été déconnecté juste du Discord quelques instants. Ok, ok. Le temps de rafraîchir l'interface. Je vais vous écraser. Ah, ouch. Ah, tu sais qu'il dit un pare-feu, un comble pour un dragon. Eh ouais, excellente vanne. Bah oui. Logique, parce que du feu, mais bon, il y a une limite aussi. Oh, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais j'avais jamais vu. Mais c'est énorme. Oh la vache. Finish jet. Wouah. La base secrète de la mort qui tue. Mais il prépare un cours le ninja là ou quoi? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il va me faire un Kamehameha ou j'hallucine? Wouah. Incroyable. Je sais plus ce que je vois. Allez, un autre véhicule. Oh, il y a un truc là-bas. Là, il y a des trucs enflammés. Il y a des perches. Des perches. Des... Ah, je ne sais plus. Ah, l'interface est en train de bugger encore. Ah. Oh. Oh. Firewall protection. Voilà, blablabla. Ok. Bon, non, tout est normal dans le... Non, tout est normal dans le pare-feu. Tout est normal. Je vois pas de... Ouais, parce qu'ils me disent no, ils me disent no port, no port restricted, c'est-à-dire aucun port n'est restreint. Mmh. Bon, dire qu'il n'y a pas de souci sur là. Peut-être, peut-être à mettre à jour quelques trucs. Quel étrange, c'est un camp romain. Non, je rouvre Steam à nouveau. Ouais. Waouh. C'est intriguant, on peut faire de ces trucs. Je relance le jeu, Echo Worlds. Voilà, pouf. Je vais renverser le véhicule. Oh, c'est trop beau le truc jardin zen là. C'est beau. Attends, est-ce que je peux rajouter des constructions de mon cru? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il reste tout à fait rue. Un château! Oh, cottage. Je me souviens plus ce que c'est cottage. Cottage. Et non. Cottage 2. À côté. Ah, c'est bon, j'ai l'option de rejoindre la partie. Voilà. Ouais, il est où Dragon Sky? Il est où Dragon Sky? Dude. Non, tu dois arriver par le ciel.
Parachute. Bon, bon je vais les joindre et veut pas y aller. Attends, parfois il faut attendre un petit peu. T'as quelques secondes de décalage avant qu'il accepte la connexion. Cottage, une scène précise que c'est une petite maison de campagne élégante de style rustique. Ah, merci, une scène. C'est quoi ça là-bas? Bah, j'ai pas vu. Ah si, c'est mes âneries du début. C'est mes âneries du début, j'ai rien dit. La 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 la. Eh, il y a encore pas mal d'espace vierge, hein. On peut s'étaler, mais alors, sur des distances de fous furieux. Alors, Nayonette, il en pose, il est là-bas. Edge qui héberge, il s'est planqué je sais pas où. Alors, il y a du neuf de ton côté, Dragon Sky? Ça a pas l'air de bouger. Ah, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Wouah! Wouah! C'est trop beau! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un temple de Perse. Wouah! Trop bien imaginé le truc. J'adore l'architecture. Stylé. Oh, il y a des cagettes de fruits frais. Ils ont des bananes. C'est la banane, c'est la banane. Oh, c'est beau. Oh, il y a quoi sur le feu? C'est un ragoût? Ah oui, parce que oui, parce que c'est l'interface Windows qui voulait pas mettre le truc en ligne. C'est moche. Ah oui, t'avais la demande d'ouverture de pare-feu, ouais, logiciel, ouais. Hmm. Et là, du coup, là, j'ai la cinématique, d'intro pour le mode en ligne. Ouais, c'est bien. T'es en bonne voie, Dragon Sky. C'est cool, tu vas nous rejoindre. Attends, pas tout de suite, parce que j'étais obligé de passer d'abord par le mode solo, parce que c'est pour enclencher le mode en ligne. Ah, je me souvenais plus que c'était obligatoire, d'accord. Bon, bah vas-y, fais le nécessaire. Ah, parce que je l'ai regardé d'après le forum du jeu en question. Ah, tu fais bien. Pour passer d'abord par le mode en ligne solo, pour pouvoir ensuite rejoindre vos amis. D'accord. C'est un peu mal foutu, je sais bien, mais c'est comme ça. Mm. C'est beau. Cette piscine d'intérieur, ce luxe. Je veux la même dans Minecraft. Le pire, c'est qu'il y a moyen. Largement. Witch. Il y a même des petits coraux. Oula, comment qu'il a gémi, mon personnage. Pas mal, pas mal. Il y a de bonnes idées. Laissez-moi grimper, laissez-moi monter jusqu'au sommet, rien ne peut m'arrêter, laissez-moi grimper. Enfin, si un plafond peut m'arrêter. Oula, je vais faire... Oulala, on dirait qu'il est en train de danser le jerk, là. Calmos. Ah, c'est beau, c'est un dragon, justement. Ouch, voilà, je viens de me vautrer. Ah, soupir. Alors, la vue d'ensemble. On prend un peu de recul. Jean-Michel caméra et... Non, je vais... On dirait que je suis complètement pimpette. Mais non, j'ai un mal de chien à maîtriser la caméra. C'est beau. Absolument remarquable. Bon, allez, je vais retrouver mon camion de pompier. Non, c'est pas un camion de pompier, je suis un idiot. C'est le camion des bandits. Constructeur, apprenti, succès verrouillé. Mmh. Premier succès, hop là. La 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 alors, en théorie... Par rapport à... J'ai l'impression qu'on va pas faire les bibis aujourd'hui non plus. C'est pas grave, on verra. Mais parce que théoriquement, je dis bien théoriquement, FunFan nous rejoint à 17h. Et de 17h à 20h, on va sur sa chaîne. N'oubliez pas qu'on est censé faire la suite du jeu d'aventure et théoriquement le finir. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un véhicule motocross. Je l'avais oublié, c'est celui du début peut-être. Oui, je crois.
finir le vol de l'Amazon là. Oh, c'est bon, on avait l'ombre portée du de l'aigle royal. J'ai une idée qui me vient en tête avec le motocross. Attendez, est-ce que j'essaierais pas de faire un tremplin par-dessus la muraille? Ce serait énorme. Je suis sûr qu'il y a moyen. Doit y avoir moyen. Ah, c'est des piles de ferraille. Ah! Là, je rejoins pas tout de suite parce que je suis en train de faire l'intro du mode en ligne. Oui, fait. Bah, moi, ça me permet de faire des trucs. Ouais, t'as raison. Voilà, déjà, je vais dire que c'est entre les deux trucs là, ça se verra de loin, qu'il va falloir faire tremplin. C'est intéressant. Le clavier de piano géant. Nope. J'y crois pas. Non. Ça va pas aider mon truc. Merde, alors y a pas un tremplin préprogrammé? Y a pas des trucs. Attendez, construction de véhicule, personnage découverte. Découverte, y a peut-être des trucs. Attendez. Découverte. Pour le moment, je trouve pas l'objet rêvé. Oh la vache! Il y a même un lit en baldaquin. Trop bien. C'est quoi ça? Un établi. Non, c'est trop petit. Non, je pense que là, je suis dans le répertoire des trucs trop petits. Ça pourra pas me faire... me faire tremplin... ouais, non, ça... Le Samurai X. Oh, je délire. Ouais, non, table de sang, c'est trop petit. Tente d'explorateur. Oh, les Mimi, on se croit presque dans Tomb Raider, là. Ah, c'est mignon. Non, c'est pas ça que je voulais, ça va pas. Ah. Allez, réfléchissons. Objet. Alors, attends, je remonte toute la liste. Encore que... construction en briques. Est-ce que ça, c'est quoi? Ah, c'est par catégorie. Divers, peut-être. Non, il y aura peut-être pas de tremplin, en fait. Alors, attends, rechercher en français. Tremplin, avec un E. Oh là, et puis c'est un clavier américain. Oh là, dur. Oh là là, il m'a mis en QWERTY. Tremplin, non, j'ai le pupitre de console d'enregistrement, ça m'aidera pas du tout. Construction en briques. Non, j'ai pas de tremplin. Oh, oh. Merdoum. Hop là, tremplin. Là, voilà. Je suis armé de mon pistolet magique pour faire des découvertes. Yep. Oh, le pudding, il va être trop abrupt en pente. QG galactique. Ah, il y a une rampe. Mais c'est, ça n'ira pas. C'est très girly comme... le côté rose bonbon est étrange. C'est un style, hein, c'est pas dégueu. Mais c'est étrange. Il m'aurait presque fallu la rampe là, mais en plus long, et rien que la rampe. Ça aurait été rigolo. Bon, mon truc est un échec. Réfléchissons. Les vilains. Hé, attendez, dans les objets. Non. Non. Est-ce qu'il n'y a pas le lance-roquette dans les objets? Doit y avoir ce jardin. Il y a tellement de trucs, il y a obligatoirement un lance-roquette, non?
Bonjour, rebonjour à tous. Ah, te revoilà, FunFan. Bonjour. Le lance-roquette. Vous avez jamais entendu la voix de Nayone, cousin Rio? Oui, tout à l'heure, il était là tout à l'heure. Oui, je vois, il a marqué qu'il adore la voix de Nayone. Ouais, voix radiophonique. Bah écoute, je sais pas, mais il apprécie. Mais comment je tire? Ah. Feu! Non, merde, ça marche pas. Comment je fais pour tirer? Feu. Bah. Non. J'ai toujours pas compris comment je faisais pour tirer. Voilà. Je suis de retour pour les deux heures et après on partira ensemble sur Amazon Queen. Bah on peut, tu peux démarrer à 17h, non? T'es sûr que ça durera que 2 heures? Pas 3? Bah de 18 à 21h ça fait 3. Ah, tu veux 18 à 21h, ok, pas de 17 à 20h, ok. Non, c'est mieux. Comme tu... Ouais, ouais, comme faire une reprise pour une heure, quoi, je trouve ça un peu... Comme ça, on termine avec moi, c'est plus simple, je trouve. Oui, 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 oui. Ok, ok. Bah, on va peut-être faire un peu les bibis. Alors, j'espère que Dragon Sky va pouvoir nous rejoindre assez rapidement. Parce que si on pouvait se faire les bibis de 17 à 18, ce serait bien. Ce serait cool. Alors, la madame, elle veut des poupoules et des cochons. Eh ben. Mais j'ai... Je comprends pas, j'ai une arme, je sais pas tirer avec. Pourquoi je peux pas tirer avec mon arme? Ah, j'ai tiré des carottes. Ok, tout va bien. Oh, les jeux, j'incarne mon perso. FunFan nous a rejoint, c'est lui FunFan. Ouais. Salut, Étienne. Mais comment j'ai fait pour tirer? J'ai trop hot sur Instagram, la stream Switch censurée, faut qu'ils arrêtent un peu les conneries. On en parle pas. De quoi? Bah, l'info qu'a mis Dragon Sky sur ton salon HS Bubble. Quelle info? J'ai trop hâte sur Instagram, la streameuse de Twitch censurée. Ah, ok. Ah oui, Pokiname. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Comment on fait pour tirer? Mon cerveau devient fou. Oui, et après je fais comment pour le dire? Il y a pire. Hein. Elle est censurée, pas d'autres. Franchement, je me pose des questions. École des sous. J'ai besoin des sous. Si elle est censurée, pourquoi pas les autres? J'ai déjà vu pire. Hein. Ah, je peux grimper aux arbres, moi chouette. Oui. Dans les Worlds, on peut grimper n'importe où sur le pitch. Ah, ça y est, je viens de comprendre le truc. Oh là là. Je suis sorti de ma tanière là où je m'étais posé, là, le temps de prendre mon goûter. Alors, je fais un peu niveau de fidélité, les mises à jour. LG, tu es fan, tu es niveau 84. Et Torata 77, il est intrigué, il est niveau 22. Ouais, bien bon chiffre. Oh, c'est con, il y a des trucs en lévitation, ça me fout mal. Allez, j'ai suivi ta chaîne Twitch. Parce que j'ai vu que comme ça, je pouvais être le 11e. Voilà. C'est tout. Ah ouais. Donc j'ai dit, je dois le suivre, c'est mon chiffre. C'est à moi. Bah tu seras le 11e. Ah ouais. Bah oui. Mais les autres là, les 10 avant moi, ils doivent pas partir parce que sinon je prends la place de 10, ça va m'énerver. Je comprends. Ah oui, bon sang. Non, il y en a qui va partir, il restera 10. Ouais, parce que sinon on retrouve le 10e. Bon, après tu me réabonnes. Donc j'ai fait, oh, je suis le 11e, je suis Edgy.
Voilà, là c'est cohérent. Encore qu'il y a un petit truc en lévitation, mais on va fermer les yeux. Ah, ah, j'ai taillé ma brèche. Ah, bah dis donc, j'ai du mal. Hein. Il m'en aura fallu du temps. Il y a Raskar qui a pas construit ma chaîne, je suis même pas au courant. Je l'ai pas tâté une mouette tout à l'heure. C'est pratique comme ça, tu diffuses pas et t'en tires de pas, on ira. Ça doit être une notification qui te bloque sur mon téléphone. Ah ouais, j'ai eu il y a je crois 2-3 semaines que tu as suivi ma chaîne YouTube et j'ai pas compris. Ou il y a un mois. Bon, ça, mais... Il y a un mois de ça, je pense que ça doit être. J'avais pas suivi et je sais pas pourquoi. Ouais, je me suis dit, ah j'ai DJ qui me suit, je pensais qu'il me suivait depuis longtemps. Non, bah non, j'ai pas réagi. Ouais, il y a 3 semaines, voilà. Ouais, ouais. Ça fait il y a un mois. Ah, j'ai trouvé le bateau. Tu peux toujours pas nous rejoindre en multi. Ah, les véhicules, nouveau. J'ai découvert des véhicules, ouais. Bah, c'est déjà ça, c'est bien. Ouais. Je suis en train de faire juste quelques petites quêtes parce qu'on m'a demandé de mettre des poules et des cochons. Parce que là, je préviens, maintenant que FunFan est de retour, qu'on a posé l'horaire. À 17h ou plus tard, 17h, je bascule sur les bibis, qu'on se fasse un bon petit grand prix. Ça marche. Donc on va dire qu'il te reste une demi-heure avant que je coupe Lego World. Ce serait rigolo qu'on puisse te voir un petit peu sur l'antenne. C'est pas évident hein, de maîtriser l'oiseau, hein. Vraiment. Oula. Ouah. Allez, l'oiseau plane. Alors, est-ce que je peux contourner? Non, je peux pas. Ah, je le maîtrise pas. Oh, c'est rigolo de voir les piles de bagnoles de carcasse. Oh là là. Alors, nous y avons. Tiens, j'ai même pas vu qu'il y avait un héliport sur la station rose là. On va aller revoir du côté du phare. Tidadi fait comme l'oiseau, c'est vie d'amour et de fraîche un oiseau. Jamais rien ne l'arrête, l'oiseau, d'aller plus haut, ouais. D'ailleurs, on va aller au-dessus du phare. Je suis baladé en même temps sur Twitch, là, j'ai regardé un peu... l'interface de stream et en fait tu peux tout configurer mais tu peux pas lancer le stream. Faut forcément un truc à l'externe. Hello. Salut FunFan. Salut Dragon Sky. Salut. De voir que Rio disait qu'il appréciait ta voix parce que pourtant il est venu sur des streams où on a fait des edges ensemble, il connaissait déjà ta voix mais bon. Ah bon. Bah, peut-être qu'il voulait le dire avant mais il a pas osé. Peut-être. Il dit, je vais le dire chez mon cousin, c'est mieux. J'étais sûr que t'allais faire que t'as fait une remarque là-dessus, FunFan, parce qu'un jour t'as dit que tu voulais être animateur radio. Oui, éventuellement, ça m'aurait plu, oui. Mais bon, pas. Parce que ça, j'allais dire un truc à Edgé. Voilà. Il s'est passé un incident, Edgé, la semaine dernière. Ouais. J'ai voulu faire une expérience. Et sans faire esprit, je t'ai ban quand t'es parti. Ah. D'où... Punir. D'où ce qui s'est passé, comme la tradition le veut quand il y a des bans injustifiés, je t'ai offert un abonnement. Voilà. D'accord, bah merci. Je savais même pas aperçu, on lui a offert un abonnement. Et ça, on lui en offre tellement que... Plus attention. Non, donc, c'est parce que sur mon téléphone, les applications ne sont pas très fonctionnelles. Ouais, j'avoue que c'est merdique, le téléphone. Mais voilà, donc... Oula, je me viens de dans le nuage. T'es exempté de pub et tu peux faire quelques smileys du sage pendant un mois. T'es bien, c'est cool, merci en fait, pour lui. Je pensais pas que ça marcherait, tu sais, on était sur c'était jeudi en fait, ouais, voilà. Pardon. Ouais, mais moi, ça m'a surpris, et c'est pour ça que j'avais dit à AJ en MP qu'il y a eu un petit incident. Et en fait... involontaire, évidemment, c'est involontaire.
C'était pendant le Marvel en stream et t'avais gagné la dernière course. Et du coup, je l'ai marqué sur le chat, ban et J06. Mais je pensais pas que la commande clavier marcherait. Pour déconner. Mais du coup, bah, ça a marché. Bravo. Moi, j'ai planté mon avion. Je voulais suivre le sage, mais je suis planté. J'ai conduit à la fun fan l'avion, comme dans... comme dans GTA. On tourne au dernier moment. Je me tourne vers Dragon Sky. Alors, je refais l'invite. Est-ce que tu arrives à nous rejoindre dans la partie multijoueur ou pas? Ah, voilà. J'allais poser la question, justement. A-t-il de résister à rejoindre? Attends. Parce que voilà... sauvegarder et quitter le monde, oui. Voilà. Ouais. Est-ce que j'étais en solo? Du coup, je pouvais pas, pas faire fonctionner. Oula, Edgy, fais attention avec tous les émotes. Oui, les abus d'émoticônes, oui. Chacun moment, j'avais mis une limite. Faut y aller mollo quand même. Mais ça va, c'est non, pas mais sûr. Là, il se décompresse un coup et ça fait longtemps qu'il voulait balancer toutes les icônes. Ouais. Alors, voilà. Alors, joindre une partie. Il faut que tu cliques sur Edge. Pas sur Edge en vrai, mais. Voilà, je viens de terminer les chapitres. Ah, je vais cliquer dessus, mais je vais pas. Je veux toujours rien savoir. Alors, est-ce que tu peux le montrer, Sage, comment t'as fait sur ton stream? Parce que moi, je. Alors, je me déconnecte et je recommence. Ouais. Merci beaucoup, Sage. Sauvegarder et quitter la partie. Êtes-vous sûr? Oui. Il m'a tout cassé. Donc je vais relancer le jeu. Bah, désolé. Hein. Regarde bien le stream du Sage. Oui, je regarde bien. On recommence. Je regarde bien. Oui, mais qu'est-ce qu'avec le décalage Oui. Le jeu va se charger. Ha ha. Manquerait plus de questions. Oui, merci. Portez pas la poche. Oh Dieu, au secours. Alors, le jeu va se charger. Après 14 milliards de menus magnifiques. Enfin, c'est des écrans de chargement, là. Mais c'est vrai que c'est beau. Alors, je dis, ok, je passe le truc. Je suis dans le menu. Je commence. Et lorsque je suis dans le menu Lego World, s'il veut bien me laisser la main, on fait charger une partie. Toi, normalement, tu dois avoir un emplacement vide que tu as dû inaugurer. Bon, une fois que tu as chargé une de tes parties, c'est là où ça devient intéressant. Tu vas sur Jouer en ligne, qui est le quatrième bouton en partant de la gauche. Le triangle avec les deux arcs de cercle. Ensuite, dans le sous-menu, tu vas complètement à droite, tu vas dans joindre une partie. Le logo, c'est deux petites têtes de Gugus Lego. Il se trouve que ton interface Steam apparaît au premier plan. Alors, il faut pas manipuler à partir de la petite colonne sur la... Moi, je l'ai à droite, tu l'as peut-être ailleurs. Mais la petite colonne, voilà, avec invité qui voulait jouer, machin, tu la fermes, tu la remballes dans son coin. Et tu vas du côté sous l'horloge à gauche où tu vois contact. Tu cliques sur contact, ça reprovoque la même sous-fenêtre. Mais tu peux à nouveau la refermer. Il faut attendre quelques secondes, parfois deux minutes. Il se trouve que, après cette petite manipulation dite de provocation, les contacts vont se mettre à jour dans ce petit carré. Et c'est à partir de ce carré-là que tu vas pouvoir rejoindre la partie des jets. Alors moi, je suis condamné à attendre. Voilà, c'est pas passionnant, mais c'est nécessaire. Tu voulais dire quelque chose, Nayonette? Oui, il faut attendre, c'est ça, faut attendre. Merci. Je mets au défi n'importe quel joueur de venir me trouver. Oui, c'est pas. Attends, mais là, je suis en train de me jeter dans le vide, pour l'instant. Je suis en train de tester le vide, le bord de la map. Non mais je provoque un truc là parce que ça vient vraiment plus. Ah voilà, c'est enfin venu. On voit Edge en cowboy bien moustachu. Edge, tu fais sur son profil, tu fais un clic droit sur sa photo si tu veux, et c'est à partir de là que tu fais rejoindre la partie. Oui, c'est rejoindre bon. Rejoindre la partie.
Super, je te vois, Dragon Sky. Voilà, ça a marché. Ok, on va tous se retrouver pour la dernière demi-heure. Yes. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci, ça fait toujours plaisir. Merci. Merci de rien. Au moins, si ça peut servir en certains, dans la rediffusion, vous aurez moult exemples. Au moins, c'est fait. Voilà. C'est mieux que rien. Aïe. Je pense que c'est un bug temporaire de Twitch. Comme beaucoup de choses. Qui joue avec le dieu de la lumière et de l'obscurité. Sony, c'est ça. Comment il s'appelait ce dieu déjà? Falfalune. Non mais le dieu de la mythologie grecque. Poséidon, Zeus, Hadès. Attends. Horus, non. Moi je dirais Horus. Que de quoi d'ailleurs? Parce que du soleil, de la lumière, Horus. Ah, Apollon. Non, c'est pas du tout ça, vous citez que des erreurs. Hélios. Ah, exactement. Parce que du soleil, Atlante. Maintenant, je dis du. Ah, bon, alors que c'était Atlante, c'est qui? C'est pas Hélios. Attendez, je cherche. Non, je donnerais raison à Edge. Quelle mythologie aussi? Grec. Ah bah c'est Hélios. Ou chaque fois que c'était l'écho. Ah moi je croyais que c'était Apollon, le dieu du... C'est le dieu de la beauté, Apollon. Non, c'est Aphrodite, le dieu de la beauté. Si, le dieu de Apollon. Ah ça ne peut être qu'une femme, le dieu de la beauté. Dieu des arts, du soleil... Alors, Apollon, dieu de la lumière, du soleil, de la musique, des arts et des soins, des prophéties, et dieu de la nuit, il y a quelqu'un d'autre. Ah ben oui, mais tu nous as parlé du soleil. Oui, je me suis trompé. Ah bah, le dieu de la nuit, je sais pas qui c'est. En fait, Batman. C'est Hélios le principal, mais en fait, Apollon, il a plein de fonctions. Ouais, en fait, c'est le secrétaire, c'est ça? Alors, Nyx, c'est Nyx, en fait, le dieu de la nuit, divinité primordiale. Ah oui, déesse de la nuit. Et Hécate, déesse de la nuit. Ouais, non, il n'y a pas... Ouais, c'est Panikis, la décimité de toute la nuit. Je t'ai écrasé, mon gars. Ouais, c'est Hécate et... Hélios, c'est un dieu atlante, il me semble. C'est pas un dieu grec. Voilà. Oh, je vous rappelle. J'ai poussé du gazon. Ah, c'est Edge. Bon, après, la mythologie atlante. J'ai poussé du gazon. Bienvenue pour ce nouveau numéro de la carte au trésor. Nous sommes en direction de l'équipe bleue à la recherche de. Alors. Bon. Tous les matins se réunir à un seul endroit. J'ai changé un peu mon personnage. Le sage blague quand même. Hein. Encore? Oh, c'est parce qu'il y a trop d'éléments de décor, je pense. Après. Je suis fou. Je parle même pas du décor. Il est plus naïonné, tu disais. Je cherche. Hein. J'ai pas encore répondu à ma propre question. À son milieu de la nuit. Oui. Attendez, j'ai du mal à arrêter mon vaisseau. Oui, je l'ai fait. Voilà. Je suis fou. Alors, Hélios, vérifions. Ah, je vous ai tous en visuel. Je vous avais tous. C'est carrément le dieu du soleil, Hélios. Il représente carrément le soleil. Ah, la classe. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était le dieu qui, justement, mettait le voile de la nuit sur plein jour. Mmh. Je sais plus, j'avais le souvenir d'autre chose. Il est fou, il s'est craché dans Dragon Sky. Tiens, prends un aéronef Dragon Sky, reprends-le. Je te le laisse. Je vais prendre un truc. Tu fais déjà tirer. Pour supprimer des trucs d'aéronef là. Oh, je suis le fantôme. Ah, oh, c'est bien d'être le fantôme. Yo, on dirait qu'il fait du R&B le fantôme. R&B, yo. C'est rigolo. Bah voilà, quand ça je vous ai rejoint. Eh oui, c'est cool. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais rentrer par la porte, mais par la fenêtre, mais par avec une machine. Mm-hmm. Alors attends. On va y arriver. Tiens, j'en laisse une autre généreusement pour qui voudra.
Et sinon, tes pouvoirs ont été restaurés ou je suis toujours en attente? Alors, t'es toujours en attente, mais je vais pouvoir les restaurer. Je ferai peut-être ça ce soir si je suis pas trop crevé, après mon dîner. Sinon, dès que j'aurai disponibilité de le faire. Mais je suis content d'avoir trouvé la solution, en espérant qu'elle marchera à chaque fois. Parce que je laisse quand même un doute à dire que... J'ai quand même des instructions parfois qui sont longues. La plus longue, c'est le coup du zombie personnalisé à votre nom. J'espère que la... Je vais pas être limité au nombre de caractères. Parce qu'il faut que je déclare la commande dans une autre interface. Et c'est pas dit que j'ai la longueur de chaîne possible. Oui ? Quoi, dragon ? Je déclenche un dragon. J'ai lâché un dragon. Non, sérieux ? Oui. Oh mon dieu ! Il va cracher du feu, le bidin. Tu peux monter sur le dragon si tu veux. Ah oui, je vois. Oh, stylé, comment qu'il se la pète. Bah oui, je me pète. Tu fais honneur à ton pseudo. Bien, bien joué. Bah oui. Il fallait. Je suis distributeur officiel de dragons. Eh bien. Il faudrait peut-être faire une porte ou des trous, je pense, moi, là-dessus. Dans le dragon, c'est indécent. Non, non, dans les murs. Oui, alors je t'avouerai que en ton absence, Mayonnais, je me suis amusé à concevoir une petite porte dans ta muraille. Bah, on dirait qu'il y a des gilets jaunes qui sont en train de manifester. Ah non, c'est des policiers qui manifestent, pardon. C'est des gilets bleus. Mais j'ai voilà, une petite brèche qui a été faite. Non, merci, vilain dragon. Mirdoum, je suis ton maître, je suis ton maître, merci. Je suis ton maître, oh le vilain. Mais qui c'est qui m'a... Mais c'était piégé, c'est scandaleux. Oula, est-ce qu'il y a quoi le fantôme, là? Aïe, aïe, aïe. Alors, allez, un petit dernier véhicule pour la route. Puis après, je vais préparer les bibis. Merdoum, je me suis trompé. Non. Il veut pas. Mais il est assez stupide, bravo. Stupide dragon. Oh, bah, il me fait la tête, il me fait la tronche, le dragon. Ça dépend si t'as sélectionné l'outil pour pas le sélectionner, pour pas monter dessus. Il faut que tu sois sorti de tout outil pour pouvoir mettre à côté, t'appuies sur Y et tu peux monter dessus. Allez, petit avion. Voilà, c'est... Et de construction, outils de peinture, découverte. Il faut les supprimer. Enfin, faut que tu cliques sur BBBB pour pouvoir annuler tous les outils, la sélection d'outils. Donc t'es sans rien dans la main. Ah oui, je suis dessus. Ah voilà. Oui, magnifique. Voilà. Attends. Ah c'est quoi ce truc? Crache du feu. Ce qui crache du feu. Bah avec pour attaquer, je crois que c'est X. Ah oui, ça crache des boulettes de feu. Non. Ah oui. Ça y est, on a perdu ça crache du feu. Il est à fond dedans. Ah ouais. C'est magique. C'est magique. Je te poursuis, Dragon Sky, avec mon petit avion. Ah, la muraille, au secours. Mais qu'est-ce qu'ils font tous sur la piste? Ils sont fous. Il y a la réunion des policiers sur la piste d'atterrissage, là, faut arrêter. Ouais, la réunion des policiers, ouais, tout à fait. Oh, le pudding. Bon, il y a mon dragon qui te dit bonjour, hein, Nayone. Ouais, ben, je plante des arbres. Ouch. Il dit bonjour. Attends, j'ai failli te percuter. Il n'y a eu aucun incident pendant mon absence? Non. Si, on a dit des bêtises pendant que tu n'étais pas là. On a dit que... Non, mais ça, c'est la normalité, ça. C'est ça. Parle sur le... Non, rien de... Pas de oh, merde, bas. Il m'a tué. Salaud. Salaud. Pas de bas, rien d'anormal, le temps. Non, t'en fais pas, fun fun, c'était d'un tranquille. Bah, ce qui a été anormal, c'est les bugs que j'ai eu au début en lancement de Lego World. Ça, je m'y suis pris à 3-4 fois, c'était pénible. Bah, Eddie, je sais que je suis un peu vilain. Eddie, il a pas trop râlé parce qu'il a attendu Lego World. Non, ça va, il a été patient. Mais non, je l'ai proposé. Oui, c'était l'inverse. Ouais. Ah, non, ça c'était l'inverse. C'était le seul. Parce qu'on était sur Age of Mythology en fait. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est quoi tout ça là, tous les trucs en flotte? C'est quoi qui est en train de flotter là? Oui, je comprends pas, excuse-moi. C'est quoi tous les objets en pleine expansion là? Oui, c'est bizarre. Il y a eu un bug là, c'est pas possible.
Oula. Lego World. Est-ce qu'il t'a eu... Il a eu peur de mon dragon, Edgy. Oh, il rame ton switch, le sergent Sarah. Ah merde, c'est parce qu'il y a trop d'objets, je suis désolé. Non, de toute façon, je vais atterrir et puis on va lancer les bibilles. Mais à l'occasion, il faudra qu'on s'organise, qu'on synchronise nos agendas, qu'on se refasse une journée tous ensemble, au moins de deux petites heures, mais vraiment tous ensemble, ce sera génial, sous Lego World, dans les semaines et mois à venir. Ouais. Mais c'est cool, merci. Ouais, je suis content que t'aies pu acquérir le jeu Dragon Sky, c'est cool. Ouais. Parce que tous ensemble, on s'amuse comme des petits fous. Ouch. Qu'est-ce que je suis en train de construire là, un truc de ouf gueudin là. Valetsky. Allez, je fais un dernier survol au-dessus de Nayonet parce qu'il est à fond dans son truc. Comment ça, le ouf gueudin? Il fait quoi, le ouf gueudin? Ah, oh, mon dieu. Un looping. Non, je peux pas. Oh là ok, là. Je vais monter. Oh ah, c'est pas une station de ski, c'est un petit chemin. Ah, la collision fatale. Oui, tu m'as fait peur. Il m'a foutu les jetons. Oula, où cet atterrissage? Oh là là. C'est trop cocasse. Attends, je vais peut-être ranger l'aéronef parce que le gars qui va atterrir derrière moi, il peut pas. Mais. Qu'est-ce qu'il. Oh. Ah, moi, je suis atterri en douceur. C'est bien. Tu maîtrises la bait. Bah oui, hein. Voilà. Magnifique. Bah oui, hein. Bah c'était cool. Merci les copains. Déconnexion sauvage, pardon. Mais j'étais choqué parce que j'avais oublié, mais mon grand-père, il est vosgien. Du coup, mon grand-père, il était toujours... Bah oui, hein. Bah oui.